Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, écoutez, avant de me présenter, je tenais à remercier Récup tout bricolage de m'avoir invité à cette série de vidéos, donc les makers à suivre, qui pour moi est génial, je trouve. Je ne connaissais encore personne qui avait réalisé ce style de vidéo parce que ça permet de découvrir d'autres chaînes YouTube ou des makers qui n'ont pas de chaîne sur Facebook ou Instagram, voilà, tout simplement. Parce que ce ne sont pas automatiquement des grosses chaînes, donc pas mises en avant. Et malgré le travail qu'ils réalisent, il ou elle bien sûr, parce qu'il y a des femmes aussi, moi je trouve ça tout simplement génial. Donc je tenais tout d'abord à le remercier. Donc maintenant on va passer à la présentation. Donc je m'appelle Dino Pereira, j'ai 52 ans, j'habite à Étang-Salé-Léo, à l'île de La Réunion. D'ailleurs je vous fais un petit coucou. D'ici du soleil. Et puis voilà, je m'occupe d'une usine de fabrication d'acier pour béton armé. Alors qu'est-ce qu'on y fabrique? On y fabrique des poutres, des poteaux, des chaînages, tout ce qui est en lien pour le béton armé, donc pour les bâtiments ou les villas, voilà. On y fabrique aussi tout type de treillis soudés. Alors, le nom de ma chaîne, c'est With Your Hands. Alors, je ne vais pas vous dire pourquoi maintenant, puisque ça fait l'objet d'une question qui va suivre après. Donc voilà. Donc ma chaîne, c'est With Your Hands pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Eh bien, ça fait un peu plus de 2 ans. Je pense que j'avais posté ma première vidéo vers le mois de juin 2017 à peu près. Et voilà, donc ça fait 2 ans que je suis sur YouTube. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'avais commencé ma chaîne. Ensuite, j'ai dû arrêter parce que j'ai déménagé entre-temps. D'ailleurs, si vous regardez les premières vidéos et les vidéos de maintenant, ça n'a plus rien à voir puisqu'avant ça se passait à l'extérieur. Et là, c'est à l'intérieur puisque ce n'est pas du tout la même configuration de maison. Voilà, donc ça fait 2 ans que je suis sur YouTube, mais beaucoup plus actif, on va dire, entre guillemets, depuis que je suis installé ici. Alors pour ma part, moi, pour ma famille, moi j'ai énormément de chance, j'ai une femme en or qui me soutient. Et voilà, qui me soutient dans tout ce que j'entreprends, qui me freine aussi dans tout ce que j'entreprends, pas dans tout ce que j'entreprends, mais qui me freine dans ce que je voudrais entreprendre, parce que j'ai tellement de projets dans la tête que j'aimerais faire tellement de choses, et heureusement qu'elle est là pour me freiner un petit peu, on va dire. Donc voilà, j'ai vraiment une femme formidable, donc qui me soutient, mes enfants aussi. De ce côté-là, j'ai pas de soucis, bien au contraire, pour moi c'est génial, on va dire. Et pour mon entourage, on va dire que l'entourage, il a été surpris. Donc, surpris, pas de me voir sur YouTube, mais surpris de savoir que je savais faire certaines choses. Parce que quand vous côtoyez les gens voilà, au quotidien, voilà, vous savez ce qu'ils font comme métier, vous connaissez un petit peu leur vie, mais vous ne savez pas vraiment ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, ça a été vraiment la surprise pour eux. Et maintenant, ils m'encouragent, bien sûr, ils m'encouragent à continuer dans ce que je fais, dans les projets que je fais. Voilà. Alors, comment fais-tu pour gérer ton temps entre la famille, le travail, YouTube? Alors, pour moi, c'est simple, hein, c'est une feuille de route. J'essaye de m'y tenir le plus près possible, on va dire. Parce que déjà, comme vous le savez, enfin pour certains d'entre vous qui le savent, donc je suis en train de restaurer une maison. Donc déjà, tous les week-ends, je suis pris par cette maison. Puisque la semaine, je travaille, j'ai un travail. Hein. Voilà, donc les week-ends déjà, c'est consacré aux travaux de restauration. Alors la semaine, je travaille. Le soir, quand je rentre, je bricole dans mon garage, parce que pour moi, c'est important. En plus, ça me permet de me détendre, ça me détend de bricoler. Voilà, je bricole un peu, et après, stop, vie de famille. Voilà, donc vie de famille, et après dodo, bien sûr, comme tout le monde. Le lendemain, on rebelote, travail, je rentre, je bricole. Si je suis pas fatigué le soir, parce que je ne bricole pas tous les soirs non plus, hein, mais voilà, et quand je bricole, en plus, voilà, comme je disais tout à l'heure, pour moi, pour ma part, ça me détend, voilà, je suis bien après. Et voilà, et donc ça m'arrive aussi donc, le week-end quand je restaure la maison, quand je rentre, allez, petite douche, et hop. C'est reparti, on bricole encore un petit peu dans le garage.
Évidemment, ça fait double douche, double consommation d'eau. Voilà, donc, mais pour moi, voilà, c'est ça, mon temps, il est géré comme ça. C'est travail, bricolage, famille, travaux le week-end. Voilà, il est géré comme ça. Maintenant, attention, hein, il se peut que des fois, bah, pour telle ou telle raison, je ne puisse pas aller bricoler ou restaurer. Voilà. C'est pas non plus cadenassé. Mais voilà, on essaye de gérer ça comme ça avec ma femme. Donc voilà, pendant que je bricole, eh bien, elle s'occupe des enfants. C'est pour ça que voilà, c'est important d'avoir on va dire, un planning. Un planning. Bon, moi, j'appelle ça une feuille de route, mais voilà, d'avoir un petit planning où on puisse gérer son temps. Alors, je me suis dit que j'allais me mettre sur YouTube tout simplement parce que j'ai toujours bricolé. Je bricole depuis des années, des années, des années. Et j'ai jamais filmé. J'ai juste pris quelques photos, voilà, du résultat final parce que voilà, pour avoir un souvenir. Et un jour, je me suis dit, bah, pourquoi pas partager ce que je fais parce que ça peut certainement inspirer d'autres personnes à réaliser ce qu'ils ont envie de faire, peut-être donner des idées. Et donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas partager ce que je fais, puisque moi, quand je cherche quelque chose à faire, automatiquement, je suis un grand consommateur de YouTube, donc je cherche, je regarde plusieurs vidéos avant de trouver celle qui, voilà, qui va me donner le petit déclic et à me dire, ah, bah voilà, c'est comme ça que je voudrais faire. Et ça aide aussi dans les techniques. Dans les techniques, parce qu'il faut savoir que je ne suis pas né avec une visseuse dans la main, un marteau, une tenaille, un tournevis, un clou. Voilà, j'ai appris à bricoler tout seul en regardant justement ces vidéos sur YouTube. Parce que pour moi, je trouve que la vidéo est plus parlante que le livre. Alors, c'est vrai que le bouquin, tout est expliqué. Alors, si vous êtes un petit peu comme moi, feignant de la lecture, voilà, je pense que le mieux, c'est la vidéo. Donc, voilà, je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre ma chaîne YouTube si ça peut aider les gens. Alors, bien sûr, quand je l'ai lancé, et même encore aujourd'hui, je ne cherche pas à avoir des milliers d'abonnés, hein, pas du tout, c'est pas le but, c'est pas mon but en tous les cas, c'est vraiment le partage. Voilà. Et à quel moment? Ben voilà, il y a 2 ans de ça, comme je l'ai dit précédemment. Je ne vais pas nommer trois makers très très connus, on va dire, parce que voilà, tout le monde les connaît, puisque voilà, ce sont des grosses chaînes, donc automatiquement mises en avant sur YouTube. Non, moi je vais nommer trois petites chaînes. Je vais commencer par L'Arrondi. Alors L'Arrondi, moi c'est quelqu'un que j'admire par tout ce qu'il fait. Il vous fait des objets en bois, mais vraiment magnifiques, des petites motos, des petits camions, voilà, c'est vraiment des épées, c'est fait vraiment avec minutie. Franchement, moi je suis épaté de tout ce qu'il réalise. Donc voilà, ça c'est un de mes makers préférés aussi. Alors bien sûr, je ne tiens pas avec les autres parce que je n'ai le droit d'en citer que trois. Donc voilà, c'est les trois qui me viennent à l'esprit. Donc L'Arrondi. Ensuite, il y a Bricoseb. Bricoseb aussi, que voilà, j'admire tout ce qu'il fait. En plus, il fait des vidéos aussi avec humour. Donc voilà, c'est quelqu'un de génial. Il vous fait des super tutos, franchement bien expliqués. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de super sympa. Et le troisième, je vais dire mon ami Steven Wood, parce que voilà, c'est quelqu'un que je côtoie régulièrement. Et voilà, c'est vraiment aussi quelqu'un de très minutieux, donc qui a fait partie de la session de Samuel Mamias. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie d'entreprendre, qui fait vraiment des trucs avec minutie. Il va jusqu'à temps qu'il y arrive, hein, il s'arrête pas. Donc voilà, c'est des makers que j'aime bien. Bien sûr, il y en a plein d'autres derrière. Bon, vous m'en avez demandé que trois, donc voilà, je vous en donne trois. Alors, avec quel maker aimerais-tu réaliser un projet? Donc moi, j'en ai déjà un qui va se faire. J'ai la chance d'avoir, donc comme je vous disais tout à l'heure, mon ami Steven Wood, donc qui va venir me rendre visite au mois d'avril l'année prochaine. Donc déjà, ça c'est génial. Ça vous permettra en plus, voilà, de découvrir un petit projet. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, hein, mais on va faire un petit projet rapide, voilà, en duo. Donc ça c'est génial parce que c'est quelque chose que je rêvais de réaliser. Et alors bon, bah ça comme c'est acquis. Un où j'aimerais vraiment faire un projet aussi avec lui. Alors, je dirais que. Alors,
attendez, 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 attendez. Je vais changer. Je vais pas te donner un homme. Mariette, voilà. Mariette, alors de la chaîne Copain & Co. Parce que je trouve que voilà, c'est une femme vraiment formidable. Moi, j'adore toutes ses vidéos. Elle entreprend des trucs de malade. Moi, je suis admiratif. Franchement, admiratif, admiratif. Et encore admiratif. Bravo à toi Mariette. Donc si un jour on a l'occasion voilà, de faire un petit projet ensemble, moi ce serait avec un grand plaisir que, voilà, que je partagerai un projet donc, avec Mariette de la chaîne Copo & Co. Donc with your hands, donc ça veut dire avec vos mains. Donc voilà, je voulais faire un nom où voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on est tous capables de réaliser quoi que ce soit avec nos mains. Alors pourquoi en anglais? Parce qu'à l'époque je me suis dit voilà, peut-être que voilà, en français ça va peut-être pas fonctionner terrible. Voilà, je vais peut-être le mettre en anglais, ça aidera plus à avoir plus de vision sur la chaîne pour que les gens puissent voir. Voilà, donc tout simplement, je l'ai mise en anglais, mais c'était voilà, l'objet du nom de la chaîne, c'était voilà, avec vos mains, voilà, dire aux gens qu'on est capable de faire quand on entreprend ce qu'on a envie avec ses mains. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est pour moi, c'est un grand sujet parce que le fait de ne pas être en métropole, alors déjà d'une, vous avez les produits toujours tous plus chers. Quand vous arrivez à avoir des produits en promo, on va dire en métropole, bien souvent il y a beaucoup de sites qui ne livrent pas. Donc déjà, barrière. Ensuite, lorsque vous trouvez des produits sur des sites où ils livrent sur La Réunion, le produit arrive ici, vous êtes taxé. Donc voilà, c'est toujours taxe, taxe, taxe. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais tu es au soleil. Alors vous avez tous tout à fait raison. Mais par contre, le soleil, on le paye. C'est pour ça qu'on transpire d'ailleurs, c'est parce qu'on le paye le soleil. Donc voilà, donc juste pour vous donner voilà, une petite anecdote. Donc j'avais demandé à Rubio de m'envoyer des échantillons. Donc d'ailleurs, je les remercie pour ce colis. Donc j'ai reçu ce colis, j'ai été le chercher chez DHL, donc des échantillons hein, gratuits. Et ça m'a coûté 65 euros de taxes. Voilà, donc tout simplement pour vous dire comment on est taxé. Donc ça c'est une des premières choses, donc les produits plus chers que la métropole. La deuxième chose, alors comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de chaînes qui ont des partenaires, donc pas automatiquement des grosses chaînes, hein, on va dire des chaînes avec un audimat comme la mienne, donc toujours un petit partenaire à gauche à droite. Alors par contre ici, c'est pas de partenaire. C'est-à-dire que j'ai fait la demande, voilà, pour faire un peu comme tout le monde, si ça peut m'éviter d'acheter un petit objet, une petite lame de scie, voilà, voilà, n'importe quoi. Donc j'ai fait la demande à plusieurs marques et je n'ai essuyé, bien sûr, que des refus. Refus, 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 refus. Alors le refus, il me fait un peu sourire parce que c'est toujours la même réponse. Oui, notre politique a changé, donc notre politique de partenariat a changé, donc. Maintenant, ce n'est plus possible. Nous voyons avec restriction les chaînes que nous allons suivre. Et ce qui me fait marrer derrière, c'est que je vois des petites chaînes donc, qui reçoivent des produits des marques que j'ai contactées. Donc voilà, bon, après, je ne suis pas là pour avoir un partenaire ou quoi que ce soit, hein, mais voilà, c'est juste. Pour vous dire que voilà, l'éloignement de la métropole, oui, ça met des barrières. Donc les prix, les partenaires, les taxes, voilà. Donc quand vous voulez bricoler ici, bah, il faut, voilà, il faut mettre un peu la main à la poche parce que la moindre planche, ça coûte de l'argent, la moindre visseuse, ça coûte de l'argent, n'importe quelle machine, ça coûte de l'argent. Et en plus, bah, vous êtes taxé. Donc voilà, ça c'était une très bonne question d'ailleurs, je te remercie de l'avoir posée. D'ailleurs, pour te remercier de l'avoir posé, alors derrière, il y a une question qui dit, quels sont tes conseils et astuces? Alors, conseils et astuces, alors moi, ce que j'ai fait pour faire venir des choses, d'ailleurs, bah, je vais reparler de lui, de mon ami Steven Wood, hein, d'ailleurs, merci Steve, c'est que si vous ne voulez pas vous faire taxer par les sites, le meilleur moyen, c'est d'envoyer le colis à quelqu'un que vous connaissez. Et puis qui vous le renvoie en marquant, voilà, jouet, cadeau, quoi que ce soit, ça peut passer à travers les mailles du filet et éviter de payer des taxes.
Donc c'est ce que j'ai fait avec la caisse des dominos. Donc je l'ai envoyé chez Steve qui ensuite me l'a renvoyé. Voilà, ça m'a évité de payer les taxes. Donc merci à lui. Voilà, ça c'est un ami qui m'a rendu service. Alors, mon plus gros projet, par sa difficulté, malheureusement, vous n'avez pas pu le voir en vidéo parce que à l'époque, bah, j'avais pas encore la chaîne. Donc, quand j'ai acheté la maison où que vous voyez, enfin, vous ne voyez pas, mais quand j'ai acheté la maison où j'ai fait mes premières vidéos, en fait, c'est une maison que j'ai achetée à retaper. Et là, j'ai souffert. J'ai souffert parce que j'ai refait tout l'extérieur. D'ailleurs, j'ai posté une petite photo il n'y a pas très longtemps sur Instagram du spa que j'avais encastré sur ma terrasse. Donc là, j'ai refait toute la maison, tout l'extérieur. Et ça, c'était un projet de difficulté parce que ça m'a mis énormément de temps. C'était des choses que je n'avais jamais faites d'ailleurs. Et voilà, j'ai refait tout le caillebotis, toute la terrasse, l'encastrement du spa, la cuisine extérieure. Voilà, c'était vraiment un projet difficile. Et en plus, pourquoi difficile? Et avec un stress. Un stress parce qu'on avait décidé, mon épouse et moi, donc, de se marier et de faire le vin d'honneur. Donc, dans cette fameuse maison, sur cette fameuse terrasse, dans ce fameux jardin. Et donc j'avais une date butoir. Donc petite anecdote, c'est que le jour de mon mariage, donc je me mariais à 15h et à 14h, j'étais encore à la déchetterie en train de jeter les derniers déchets de bois, de chute, de tout ce qui traînait. Voilà, donc ça c'était vraiment un projet qui était super costaud pour moi. J'avais eu peut-être un peu les yeux plus gros que le ventre, on va dire, mais voilà, j'y suis arrivé quand même. À 2 heures près. Voilà, ça c'était un de mes gros projets, on va dire. Alors mon futur projet, j'en ai tellement, c'est que je pourrais pas vous donner de nom. En ce moment, je suis en train de rénover une autre maison, comme vous avez pu le voir pour ceux qui me suivent sur Facebook. Donc voilà, je suis en train de rénover une autre maison. Donc il y a plein de projets. Je vais pas vous donner de nom de projet parce que la liste est tellement longue que je ne saurais pas lequel je vais démarrer en premier. Donc on va dire que c'est une surprise. Vous aurez la surprise au fur et à mesure des vidéos. Voilà. Alors moi, la machine que je ne pourrais plus me passer, vous allez me dire c'est peut-être bête, mais moi c'est la scie sous table. Alors pourquoi la scie sous table? Parce que j'ai toujours travaillé avec une scie circulaire. Et en fait, depuis que j'ai la scie sous table, et ben, pour moi c'est du bonheur, quoi. Je veux dire, plus besoin de sortir la scie sous table, la règle, voilà. Hop, on règle, on passe la planche et voilà, c'est réglé. Alors bien sûr, vous auriez pu me dire, j'aurais pu dire, pardon, j'aurais pu dire c'est la visseuse. Alors bien sûr, la visseuse, ça c'est, on va dire que c'est notre troisième main parce que ça c'est obligatoire. On va dire quand on bricole, si on n'a pas minimum une visseuse, mais voilà, si on n'a pas une visseuse, on a toujours le tournevis. C'est sûr, on va galérer un petit peu, mais il y a toujours moyen de se débrouiller. Par contre, la scie sous table, pour moi, elle fait partie de mes outils indispensables. Alors, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Alors, le conseil que je lui donnerais, moi, c'est que si tu veux lancer ta chaîne YouTube pour avoir beaucoup d'abonnés et gagner beaucoup d'argent, eh bien, trouve un super concept. Un concept qui n'existe pas. Voilà, et une super idée, un truc génial, voilà. Parce que ce soit dans le bricolage, que ce soit dans la cuisine, que ce soit, voilà, dans tous les domaines, il y a des centaines et des centaines de chaînes. Donc, le conseil que je te donne, moi, c'est si tu lances ta chaîne, voilà, c'est pour le partage. Après, bien sûr, tu peux la lancer pour bien faire du business. Ça va être très dur, je pense. Moi, aujourd'hui, j'ai lancé ma chaîne, c'était pour le partage. C'est toujours pour le partage, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi j'ai employé le mot c'était. C'est toujours. Ce que je veux dire, c'est que voilà, je ne l'ai pas faite pour gagner de l'argent. Non, non, pour gagner de l'argent, il faut travailler. Ou alors, il faut avoir une chaîne, mais vraiment méga, méga, méga développée, on va dire, avec des milliers d'abonnés. Et encore, je ne sais même pas combien gagnent ces gens-là avec YouTube. Mais voilà. Pour moi, si tu lances ta chaîne, lance-la pour voilà, partager ce que tu sais faire, donner des conseils, voilà. Et voilà, pour l'amour du partage, on va dire. Mais certainement pas pour le business.
Et par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu lances une chaîne YouTube, c'est du travail. Alors du travail, pourquoi? Parce que tu vas faire un projet. Alors bien sûr, tu vas réaliser ton projet. Tu vas faire tes prises de vue. Alors bien sûr, moi, mes prises de vue, alors je vais vous annoncer tout de suite, je n'ai pas de caméraman, comme vous avez pu le remarquer. Je filme avec mon iPhone. Alors si tu veux démarrer sur YouTube, tu peux démarrer avec ton téléphone, la preuve, hein, moi je filme avec, avec mon téléphone. Il ne te faut pas un gros budget, on va dire, hein, mais par contre, voilà, je me perds dans ce que je dis. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc si tu veux te lancer, tu peux te lancer, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est du boulot parce que il faut que tu changes ta prise de vue à chaque fois que tu changes d'outil, que tu changes de machine. Voilà, si tu veux faire une vidéo à peu près potable, donc c'est du travail. Et une fois que tu as filmé tout ça, eh bien, il faut mettre tout ça dans la boîte et faire le montage. Donc, c'est encore des heures de travail. Donc voilà. Donc YouTube, c'est bien, c'est génial. Moi, j'adore. Hein, attention. Hein. Mais par contre, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais par contre, ne compte pas t'enrichir ou quoi que ce soit avec YouTube. C'est pas vrai. Si c'est des a priori que tu as sur les chaînes qui ont beaucoup d'abonnés ou quoi que ce soit, non. Lance ta chaîne pour faire du partage. Voilà. C'est le conseil que je peux te donner. Par contre, attention, c'est pas un petit sprint, hein, c'est un grand, 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 grand marathon. Parce que tu peux vite t'essouffler si t'es pas, voilà, si t'es pas accro, quoi. Oui, il faut que tu sois accro pour avoir une chaîne YouTube parce que c'est beaucoup de travail. Voilà. C'est les conseils que je peux donner. Alors, c'est simple, hein, il n'y en a pas 10 000, donc c'est comme un peu tout le monde. Donc, YouTube, Facebook et Instagram. Voilà, vous pouvez me trouver sur ces trois réseaux sociaux. Donc, YouTube, j'y poste mes vidéos, et Facebook et Instagram, voilà, des photos, un peu de tout, quoi. Voilà, donc ce sont les trois réseaux sociaux où vous pouvez me retrouver. Qui réalise ou qui est capable de réaliser n'importe quoi avec n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Un maker, il va pas se prendre la tête. Hein. On n'est pas là pour faire du millimètre, pour faire de la perfection. On n'est pas là pour fabriquer des montres. Hein. On ne fait pas de l'horlogerie suisse. Hein. Donc voilà, un maker pour moi, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller avec ce qu'il a sous la main, de réaliser ce qu'il a envie. Voilà, pour moi, c'est ça un maker. Et pas besoin d'avoir 10 000 machines pour travailler. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, quand j'ai commencé à bricoler, j'avais une scie sauteuse, une petite scie circulaire, et je n'avais pas de visseuse. C'était une perceuse qui me servait de visseuse, où je mettais les embouts sur ma perceuse. Voilà, je vissais avec ça. Donc voilà, pour moi, un maker, c'est ça. C'est être capable de réaliser tout ça. Et aussi, bien sûr, partager. Parce que c'est important le partage. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez sur différentes chaînes, bien sûr, tout le monde fait à peu près la même chose, puisque on est inspiré, comme je parlais tout à l'heure, je disais l'inspiration, on est inspiré par ce qu'a fait tel ou tel ou tel ou tel maker. Donc bien sûr qu'on va faire tous à peu près la même chose, mais chacun à sa manière, chacun avec des techniques différentes, chacun avec des matières différentes. Et c'est ça que je trouve bien. À la limite, moi, quand je vois quelque chose, j'essaye pas de copier. J'essaye de m'inspirer. Et je me dis, bah tiens, ouais, je pourrais faire comme ça, mais à ma manière. C'est-à-dire avec telle ou telle matière, ou voilà, en dérivant la façon de faire, parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Aujourd'hui, voilà, pour moi, un maker, c'est ça. C'est être capable de faire et de partager, surtout, ce qu'il entreprend avec ce qu'il a sous la main. Voilà, pour moi, c'est ça un maker. Je m'appelle Olivier Chambon, aka Babozor, aka le barbu de la grotte. J'ai 44 ans, j'habite à Massy, dans le sud-ouest parisien. Ma chaîne s'appelle La Grotte du Barbu. Ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, puisque j'ai commencé en faisant des podcasts vidéo, et depuis 3-4 ans un peu plus sérieusement. Donc oui, ça fait une dizaine d'années que je fais des vidéos sur le bricolage, sur la bidouille, sur le DIY, sur le casual hacking, et un peu plus de 3-4 ans plus sérieusement sur YouTube. Et depuis un an, j'ai décidé de me lancer à temps plein
sponsorisé par Pôle emploi, et d'essayer de tenter un peu cette aventure-là, bah, d'être producteur de contenu dans la bidouille à temps plein. Alors, pour être complètement honnête, je m'en fous, c'est pas à eux de réagir. C'est ma décision, je fais ce que je veux. On me demande souvent est-ce que ça fait pas chier les gens que tu fasses du bricolage, en particulier ma meuf, comment est-ce qu'elle gère ça? Mais elle n'a pas à gérer ça, ça fait partie de moi, ça fait partie de ma personnalité. Donc soit tu acceptes ça, soit tu ne l'acceptes pas et tu te casses. Comment fais-tu pour tout gérer? Travail, famille, entreprise, YouTube. Un petit planning et un peu d'organisation. Mais c'est pas. Alors avant, je le faisais quand j'étais pas à temps plein, je le faisais le week-end, la nuit. À chaque fois que j'avais un petit peu de temps, c'était un tout petit peu plus funky. Mais là, il y a juste une couche en plus. Au lieu du travail, c'est-à-dire de devoir prendre les transports pour aller travailler toute la journée, mais je dois aussi gérer une partie de l'entreprise qu'on a fondée avec Sylvie Pereira. Justement pour pouvoir essayer de voir si c'était possible de vivre justement de la création de contenu. Donc ça veut dire essayer de chercher des sponsors, répondre aux emails, faire la compta, etc. etc. Ça se gère, c'est rien de dramatique. Alors c'est une question intéressante. Je venais de quitter un job plutôt bien payé. J'avais tenté une autre aventure, entre guillemets, en télétravail qui s'est pas super bien finie. Et clairement, j'en avais marre d'aller bosser pour des gens à droite, à gauche, d'aller passer beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc c'est tombé en même temps. Je me suis fait virer, entre guillemets. J'avais droit au chômage. Et je me suis dit. Mais est-ce que c'est pas le bon moment, justement, pour essayer de se lancer à temps plein? Je sais toujours pas si c'est le bon moment, mais en tout cas, on le fait. Les risques sont relativement limités, entre guillemets, puisque je suis compensé par Pôle emploi. Il me reste encore 297 jours, ou 279 jours. Attends, je vais te dire ça. Il me reste combien de jours pour trouver un business model? 247, voilà. Il me reste 247 jours pour trouver un business model et arriver à me verser plus ou moins un salaire dans les mois qui viennent. C'est pas complètement gagné. Et tu me dis 3 maxi, c'est super dur. Alors déjà la première chose, j'ai tendance à regarder beaucoup de makers anglo-saxons et très peu de makers français, malheureusement. Je sais pas à quoi c'est dû, je pense que c'est culturel. J'écoute aussi beaucoup de podcasts anglophones et très très peu de francophones. Si je devais en sortir trois, évidemment Jimmy Diresta, notre maître à tous. Je dirais aussi Laura Kampf, parce qu'elle a une approche qui est vachement intéressante. Et un troisième, mais un troisième c'est celui ou celle que j'ai pas encore découvert et qui ferait des trucs géniaux. C'est une histoire un peu farfelue. Comme d'habitude. Quand j'étais développeur, parce que à la base je suis développeur et développeur web en particulier, je suis devenu ensuite chef de projet tech et directeur technique. Les développeurs, on était une petite poignée, 3-4, on était tous barbus, on écoutait de la musique fort, on faisait du bruit, on était chiant. Donc ils nous avaient mis dans un coin, tous les autres, c'est-à-dire les chefs de projet, les designers, etc. Ils nous disaient, ouais, barbu, retourne dans ta grotte. Et c'est venu de là, en fait, la grotte du barbu. Rien de super funky, origin story un peu moyenne. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous ces trucs-là, je suis pas bon dans tous les domaines, mais c'est le principe. Le principe, c'est de découvrir des nouvelles choses, de découvrir des nouveaux outils, des nouvelles techniques, et de faire en sorte d'être un peu moins nul dans tous ces trucs-là. C'est surtout que tous ces outils et toutes ces techniques m'ouvrent des possibilités de choses que je ne pouvais pas faire avant. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes vidéos. Ce n'est pas des tutos du tout. C'est de montrer que tout est accessible, qu'il y a une marge de progression et que si on est suffisamment persévérant, on peut progresser dans
toutes ces matières et dans toutes ces techniques. Alors, je suis pas du tout nostalgique de mes anciennes vidéos. Ma vidéo ou mon projet préféré, c'est toujours celui que je suis en train de préparer. Je sais que c'est une réponse un peu débile, mais il y a quelques projets qui me tiennent à cœur. Souvent, c'est des projets qui ont une attache sentimentale, entre guillemets. Par exemple, quand j'ai pris la vieille radio de ma mère qu'elle avait payée avec son premier salaire et que j'ai mis un module Bluetooth à l'intérieur, ça pour moi, ça a quelque chose de plus. Parce que c'est quelque chose qui avait une vraie attache et qui permet de se servir quand même de cet outil ou de cet objet, même si il est complètement cassé. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire, c'est prendre des choses qui sont cassées ou qui ne servent plus et leur insuffler une deuxième vie. Je déteste jeter des trucs. Et même si c'est un tout petit bout de cet objet qui va aller dans un autre projet, c'est quelque chose qui m'intéresse. J'ai une liste longue comme le bras de projets que j'ai à faire. J'ai jamais vraiment le temps de tous les faire. Ils se repoussent tout le temps au fur et à mesure. J'ai une série de vidéos que je suis en train de préparer sur de l'électronique pour les gens qui débutent, qui, à mon avis, sera intéressante. J'ai envie de mixer de plus en plus les projets, c'est-à-dire pas seulement bois ou cuir ou métal, faire les trois en même temps, balancer l'électronique à l'intérieur, enfin, faire des trucs dans ce genre-là. Ça va arriver dans les prochains mois. C'est difficile de répondre à ça. C'est pareil, régulièrement, je découvre des nouveaux outils qui justement me changent ma perspective et me permettent de faire d'autres choses. Celui dont physiquement je peux pas me passer, c'est celui-là. C'est bien sûr mon Leatherman que j'ai toujours avec moi. Parce que c'est l'outil le plus versatile. Attends, je vais le remettre dans ma poche. Dans ma petite pochette en cuir. Parce que c'est un outil qui est super versatile. Tu peux couper, tu peux tordre, tu peux faire plein de trucs. Je l'ai toujours sur la ceinture. Et il ne quitte jamais. Et ben, au lieu de vouloir se lancer, lance-toi vraiment. On s'en fout de la technique. Filme ça avec ton téléphone. Fais du contenu, fais-toi plaisir. C'est tout. Il n'y a pas de. Souvent, on se bloque. Alors, c'est aussi valable pour les projets dans la bricole. Hein. Souvent, on se bloque. On dit ah, j'ai pas la super scie, nanani, nanana. Et ben, on s'en fout, fais-le quand même, quoi. Donc, te prends pas la tête. Fais-le. Essaye de soigner un tout petit peu le son. Et en général, ça se passera très bien. Tu tapes la grotte du barbu sur Google, en général, tu arriveras à me trouver. YouTube, Twitter, Amstramgram. Puis voilà. Alors, c'est une question casse-gueule. Pourquoi c'est une question casse-gueule? Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui font des vidéos très très chouettes, qui se disent maker, mais en fait, c'est des artisans. Pour moi, un maker, c'est un état d'esprit. C'est justement prendre l'esprit du hacker et le mettre dans le monde physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peut-être pas faire ça de façon... Peut-être pas faire ton projet de façon super traditionnelle, mais le faire de la façon dont tu veux, la plus efficace, ou justement ouvrir une nouvelle voie qui n'a jamais été faite, ou qui a été faite d'une autre façon, mais que tu aimerais faire à ta sauce. Et c'est surtout être curieux, être super curieux. Donc, tous les domaines sont intéressants, aucun domaine est tabou, et y aller à fond, et se planter, et pas avoir peur de se planter. Et justement, montrer aussi ce processus. Le plantage fait partie du fucking processus. Et donc, il y a les gens qui sont très très compétents, qui font tout très très bien, mais qui se considèrent comme makers, et moi je les considère comme des artisans. Ce qui est très très bien. Hein. Un artisan, il a une compétence, il sait l'utiliser, il le fait très bien, mais c'est pas des makers. Les makers, c'est ceux qui font, qui partagent, et qui tentent plein de trucs. Alors c'est ma définition à moi. Je suis sûr que plein d'autres gens auront des définitions qui seront complètement différentes. Et voilà.
faites des trucs, inspirez-vous, et que la barbitude soit avec vous, bordel de merde. Ben salut tout le monde, alors j'espère qu'on va bien m'entendre parce que j'ai pas de micro. Avant de commencer, je tenais à remercier le créateur de Maker à suivre, c'est un vrai privilège pour moi de participer à ce projet, donc merci. Alors je m'appelle Jérémy, j'ai 40 ans et j'habite en Gironde, un petit village qui se situe à peu près à 50 km de Bordeaux, à la frontière Charente-Maritime. Je suis en couple depuis 11 ans, marié depuis 5. J'ai un petit garçon de 4 ans et je suis aussi beau-papa d'une jeune fille de 16 ans qui est autiste et de son frère qui lui est atteint de déficience intellectuelle. Alors je suis actuellement sans emploi depuis le 28 mars dernier où j'ai été licencié pour inaptitude à cause de problèmes au genou. Le licenciement s'est pas hyper bien passé, du coup j'ai porté l'affaire devant les prud'hommes, c'est en cours et puis il y en a encore pour quelques années. Et j'ai décidé d'ouvrir ma micro-entreprise de vente d'objets bois déco. Donc c'est en cours, normalement si tout se passe bien au mois de janvier je serai immatriculé et je pourrai vendre mes créations. Alors ça fait plus ou moins 5 mois que je suis sur YouTube, j'ai une vingtaine de vidéos. J'ai eu vachement de mal à me lancer, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Alors en fait moi, à l'inverse de pas mal de monde, j'en ai parlé avant. J'avais besoin d'être rassuré, j'avais besoin de soutien, j'ai pas confiance en moi, et ça depuis tout petit. Et donc c'est ma femme qui m'a donné l'idée de faire ma première vidéo, ou du moins mes premières vidéos, sans qu'on voit mon visage. Et ça a plutôt bien fonctionné, et du coup j'ai continué petit à petit, j'ai pris confiance en moi, et j'ai pu faire des vidéos où on me voit en entier. Et pour ça je la remercie énormément, parce que c'était vraiment une chouette idée. Là le boulot pour l'instant c'est assez calme, c'est en janvier que ça va se gâter. Les gamins ont repris l'école, donc de ce côté-là je suis assez tranquille aussi. C'est vrai que en ce moment j'ai pas mal de temps pour moi. En fait voilà, j'ai 3 heures le matin pour travailler, j'ai 2 heures l'après-midi. Après le reste du temps, quand les enfants sont là, je reste avec eux. Voilà. Après pendant les vacances, c'est vrai que c'était assez compliqué. Maintenant... ça va, je m'estime heureux. Je pense qu'il y en a qui sont un peu moins chanceux que moi. Bah à la base, je cherchais quelqu'un qui fait à peu près la même chose que moi. J'ai pas vraiment trouvé, j'en ai trouvé un qui s'appelle Rini Anita. Il fait des choses vraiment bien et avec beaucoup moins de matériel que moi. Allez voir ce qu'il fait, vous allez voir, vous allez être bluffé. Et j'ai mis pas mal de temps quand même à me lancer, parce que, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai pas confiance en moi. Donc du coup, ça m'a pris pas mal de temps avant de me décider, mais bon, voilà, c'est fait. Et j'en suis bien heureux. Et au niveau de l'entreprise, en fait, j'ai toujours travaillé plus ou moins dans des usines. J'ai travaillé à la centrale nucléaire qui n'est pas loin de chez moi, j'ai fait pas mal d'usines en tout genre. En 3-8, 5-8, enfin j'ai fait toutes les horaires de merde du monde. Et j'en avais marre de tout ça. Et je voulais être un peu plus libre. Et quitte à gagner moins, bon, moi je gagnerais en liberté. Je serais bien plus heureux comme ça. Voilà. Après, est-ce que ça va marcher? C'est un autre sujet. Mais au moins j'aurais essayé et je pourrais jamais ne avoir de regrets. Les vaches, cette question. Je vais en citer qu'un, ou du moins qu'une. Il n'y a pas de surprise, c'est Sylvie Pereira. Parce que, en plus de son boulot que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un qui a toujours répondu à mes commentaires et qui a toujours répondu à mes messages quand je lui demandais des conseils, des avis. Elle a toujours été là et je trouve que c'est super important. Il y en a beaucoup dans leurs vidéos à la fin qui te disent « Oui, vas-y, lâche ton commentaire et tout. » Et qui au final ne te répond jamais, qui prend même pas la peine de venir liker ton commentaire juste pour dire que le commentaire a été lu. Et moi, je trouve ça dommage. Je trouve que quand tu fais une vidéo, c'est normal que les gens aient envie d'une interaction avec toi. Donc, à minima, tu likes le commentaire. Je comprends que quand tu as 100, 200 commentaires, tu peux pas répondre à tout le monde. Mais à minima, tu likes le commentaire pour dire que tu l'as lu. C'est la moindre des choses. Et donc si
un que je devrais citer ou une, ce serait Sylvie Pereira. Rien que pour ça. Voilà. Et pour ce qui est du projet en commun avec un autre maker, c'est vrai que là aussi c'est un peu compliqué par rapport à ce que je fais et par rapport à ce que les autres font. En fait, c'est pas un projet commun que j'aimerais, c'est plutôt des formations, en fait, parce que je ne sais pas souder, par exemple, et j'aimerais bien que quelqu'un m'apprenne à souder. Je ne sais pas tourner sur un tour à bois, hormis avec de la toilennerie. Voilà. Donc, au pire, voilà, c'est pas un projet commun que j'aimerais avec les autres. Ça serait plutôt des petites formations. Voilà, même si c'est qu'une journée, c'est toujours ça de prix. Et je sais que j'ai des makers pas loin de chez moi, donc je pense que ça peut s'organiser. À voir dans le futur. Alors l'arrondi, au départ, avant d'être un nom de chaîne, c'était un nom que j'avais cherché pour justement si un jour j'ouvrais une entreprise, enfin une micro-entreprise ou quelque chose comme ça, je me suis dit bon voilà, il va falloir un nom et du coup, je voulais quelque chose de rigolo, j'aime bien les jeux de mots, donc j'ai cherché, je suis tombé là-dessus, je suis allé voir sur le net si ça existait, et effectivement, c'était déjà pris par une association et une société qui apparemment aujourd'hui ont fermé. Bref, et ben bon, j'ai décidé de le garder, je le trouvais rigolo, et voilà, c'était pas un nom de chaîne à la base, c'était un nom plus d'entreprise. Puis voilà, au départ, ça a été le nom de ma première page Facebook, là où j'ai commencé à publier mes créations. Alors en fait, au départ, pour ma première vidéo où j'ai montré comment fabriquer une roue, si je l'ai faite, c'est parce que j'ai cherché sur le net justement comment fabriquer une roue. J'ai pas trouvé, du moins j'ai pas trouvé ce que je voulais. Donc je me suis démerdé tout seul et je me suis dit, tiens, je vais partager mon petit tuto, ça peut aider quelqu'un. Et de là, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que je trouve pas. Et si je trouve pas, je vais le fabriquer. Et je vais le mettre sur YouTube, au cas où si un jour il y a quelqu'un comme moi qui justement sera un peu dans la galère. Donc en fait, je trouve mes inspirations en ne trouvant pas ce que je cherche. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors si je devais choisir le projet que j'ai préféré, ça serait celui-là. C'est pas un projet qui a été filmé puisque ça fait un an que je l'ai fait. C'est, je crois, la première création que j'ai faite. J'ai mis pas mal de temps à la faire parce que je débutais, je connaissais pas grand-chose, j'avais pas énormément d'outils. Mais voilà, j'ai découvert pas mal de choses. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de continuer à travailler le bois. Donc si je devais en choisir un, vraiment, ça serait celui-là. Alors un projet que j'aimerais mener dans un futur lointain, j'aimerais avoir ma petite boutique à moi, une petite boutique de déco bois. Et pour un futur un peu plus proche, là actuellement je suis en train de faire des essais avec de la résine époxy. C'est pas gagné, mais c'est en cours, donc je pense que d'ici peu il y aura des épisodes avec du bois et de la résine. Alors pour l'outil que je ne pourrais plus me passer, incontestablement, ça va être la ponceuse à bande. Pourquoi ? Parce que j'ai eu ma première ponceuse à bande très tard, et c'est ma femme qui me l'a offerte. Et avant ça, j'ai poncé à la main, mais pendant des heures, des jours, et je m'en suis limite déclenché des tendinites. Ça reste des bons souvenirs quand même, mais c'est vrai que le jour où j'ai goûté à la ponceuse à bande, ça a changé ma vie, quoi. Donc, s'il y a un outil dont je ne me passerai pas, ce sera bien celui-là. Alors, vous pouvez retrouver toutes mes créations en vidéo sur YouTube, en images sur Facebook et Instagram. Et vous pouvez aussi me retrouver dans le magazine Bois Plus numéro 52, qui normalement doit sortir le 1er octobre. Donc si je devais donner des conseils à quelqu'un qui a envie de se lancer, je pense que dans un premier temps, je lui demanderais de se poser les bonnes questions. Du genre, pourquoi ? Pourquoi faire des vidéos ? Est-ce qu'il attend en retour ? Est-ce qu'il a vraiment le temps ? Parce que voilà, tout le monde le sait, faire des vidéos, ça prend du temps. Ça prend du temps dans l'atelier, ça prend du temps devant l'ordinateur. Donc ça, il faut le prendre en compte. Est-ce que ça va lui apporter ?
Et surtout, c'est la question que je me suis posée moi, est-ce que je suis assez fort mentalement? Parce que avant de faire des vidéos, j'ai beaucoup parcouru YouTube. J'ai vu ce que ça donnait chez certains makers. Il y a des gens bien et il y a des gens mauvais. Et recevoir un commentaire de merde ou des pouces en bas sans argument, bah, ça fait pas plaisir. Mais voilà, c'est le but du jeu. Maintenant, c'est vrai que quand quelqu'un met un pouce en bas, moi je trouve que ça serait logique qu'il argumente un petit peu et dire pourquoi ça peut faire qu'avancer les choses. Voilà, et j'ai même envie de rajouter que YouTube est une super thérapie au final, parce que si j'avais dû faire cette vidéo l'année dernière, je ne l'aurais pas faite. J'aurais pas eu le cran de parler face caméra. Comme j'ai déjà dit, j'avais pas confiance en moi et j'ai pas trop encore confiance en moi aujourd'hui, ça doit se voir, je suis pas super à l'aise, mais j'arrive à le faire grâce à YouTube. Je pense que si je l'avais pas fait, ben, j'en serais toujours au même point. Donc je pense que si quelqu'un a envie de se lancer et qu'il n'a pas confiance en lui, ça peut être positif, ça peut être une bonne thérapie. Alors pour toi, un maker, c'est quoi? C'est vrai que la question est bonne. Je pense que tout le monde a sa petite définition. Moi, je pense qu'un maker, c'est une personne qui va savoir faire trois choses. C'est une personne qui va savoir créer, inventer, revisiter. C'est un petit peu l'école de la débrouille. Je pense que c'est une personne qui va montrer qu'on peut se fabriquer les choses au lieu d'aller les acheter et éviter une surconsommation, par exemple. Et donc voilà, moi, je pense que moi, je me définis pas comme un maker. Pour l'instant, je bricole le bois. Peut-être que ça va venir. Pour l'instant, je pense pas en être un. Mais je regarde beaucoup de vidéos comme Laura Kampf et compagnie. Et c'est vrai que des fois, je suis un petit peu sur le cul de voir ce qu'ils arrivent à faire avec pas grand-chose. Et ça donne envie. Bon ben voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que j'ai été audible parce que j'ai des problèmes de prononciation. Alors là, j'ai fait un gros effort. Je me suis mis un sacré coup de pied au cul pour faire ce questionnaire. Mais voilà, c'est fait, j'en suis bien content. Je vais en profiter pour remercier quelques personnes. Déjà, je vais remercier Steven de l'atelier de Steven. Ça a été le premier à m'ouvrir les bras quand je suis arrivé sur Instagram. Je connaissais mais que dalle à cette application. Je savais même pas ce que c'était un hashtag. Et il a passé sa soirée à m'envoyer des pavés comme ça pour m'expliquer comment fonctionnait l'application. Et voilà, il m'a même fait de la pub aussi, même sur une de ses vidéos. Et franchement, merci. Après, je vais remercier la palette des bricoleurs, Mathieu, qui, lui, m'a mis sur le coup de l'article Bois Plus. Donc ça, un grand merci, parce que franchement, je n'y attendais pas. Et du coup, ça fait super plaisir, quoi. Et puis, je vais remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui m'envoient des chouettes commentaires à chaque vidéo. Voilà, et tous ceux qui me donnent des conseils. Enfin bref, je remercie tout le monde. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on m'a posé quelques questions pour le hashtag Maker à suivre, et donc aujourd'hui je vais tenter d'y répondre. Alors mon pseudo c'est Ovid, c'est tout simplement le diminutif de mon vrai prénom qui est Ovidiu, qui vient du roumain, parce que oui, de base je suis pas français, je suis né en Roumanie, donc voilà pourquoi j'ai un nom bizarre. Ma chaîne YouTube c'est Ultimate Making et j'ai 20 ans. Donc voilà, la ville, c'est, je suis de base lyonnais, mon atelier est sur Lyon, donc dans une cave. Et sinon là je suis dans un appartement à Limoges pour mes études, donc je fais des études d'ingénieur, c'est pour ça que je me retrouve dans une ville qui a absolument rien à voir, et donc là j'ai pas d'atelier comme vous pouvez le voir. Eh bien, tout d'abord, ma famille ne m'ont jamais soutenu dans ce que je fais. Ils ont toujours dit que ce que je fais, c'est de la merde. Mes parents ne sont pas du tout bricoleurs, genre absolument pas. Donc voilà, ils m'ont jamais soutenu. Et au contraire, ils ont tout fait pour m'empêcher d'exercer ma passion, parce qu'ils ont trouvé que c'est une perte de temps et que ce que je fais, c'est de la merde. Donc, c'est pas très encourageant. Mais sinon, mes amis, ils me soutiennent plutôt pas mal. Donc même sans que je leur dise que j'ai une chaîne YouTube, par X ou Y raison, ils ont fini par trouver. Et donc c'est pas qu'ils s'intéressent au bricolage, ils s'intéressent pas vraiment à ce que je fais, mais ils aiment bien regarder le résultat final sans s'intéresser à toute la démarche. Ils aiment bien me taquiner, des trucs comme ça.
franchement, ils trouvent ça drôle et ils me soutiennent dans ce que je fais. Et voilà, c'est un truc en plus, ils trouvent ça rigolo. Et ensuite, comment je fais pour tout gérer? Eh bien, je le gère très mal. En fait, comme je vous ai dit, je fais mes études à Limoges, donc j'ai pas d'atelier. Donc en gros, je suis obligé de faire des vidéos que pendant les vacances scolaires, ce qui est plutôt restrictif dans mon emploi du temps. Mais voilà, j'arrive à sortir des vidéos quand même assez régulièrement parce que par exemple, l'été, j'en fais beaucoup et j'en sors au fur et à mesure, etc. Mais ne vous attendez pas à des vidéos absolument toutes les semaines de l'année, c'est absolument impossible, donc je gère ça très mal. Alors là, le truc, c'est que t'as pas précisé si tu veux des Français ou pas, donc je vais profiter de ce glitch pour t'en donner 3 en France et 3 en général. Donc pour la France, il y a Ajax, il y a Nick Off Maker, il fait des projets un peu comme les miens, il travaille la ferraille, il fait des mécanismes, donc c'est normal que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et Renaud Bauer, après je veux pas avoir de discrimination parce qu'il y en a, il y a des boisseux, là je t'ai donné quasiment que des métalleux en fait. Il y a des boisseux qui sont très forts et que j'aime beaucoup, comme par exemple Samuel Mamias, etc. Ou alors. Bon, j'ai plus les noms, mais en tout cas, je les aime bien. Renaud Bauer, je l'aime bien aussi, mais je trouve que c'est dommage qu'il fasse pas des projets plus conséquents. Il fait juste des petits trucs, il fait beaucoup trop de vidéos de présentation de matos. Je veux bien qu'il en fasse, mais qu'il en fasse pas autant, intercoupé avec plus de gros projets, tu vois. Mais il a du talent et il est parti, il a commencé de rien, donc je le respecte pour ça. Et ensuite, trois en général, eh bien, il y a tout d'abord Colin Furre, c'est mon préféré, c'est pour moi le maker le plus fort du monde. Et ensuite, il y a. Qui pourrait bien y avoir encore? Il y a Macro Machine, c'est un mec qui est à peu près mon âge et qui fait des trucs absolument ouf. Il est vraiment très très fort avec peu de matos. Et D-Resta, bon, c'est un grand classique, vous le connaissez tous, mais en termes de maker, à proprement parler, il est très fort. Alors ça a l'air d'une question bête comme ça, mais c'est une question qu'on pose à tous les youtubeurs et une question qu'on a du mal à répondre parce que ça devait être sûrement un moment où on était sur les chiottes, on était en train de chier et on était en train de réfléchir quel est le sens de ma vie. On pensait à des trucs totalement hasardeux, puis un jour je me suis dit ultimate making, fabrication extrême, gros projet, ouais, en anglais ça sonne bien, pouf, ultimate making et ça fait un nom de chaîne YouTube qui claque. Eh bien, pas de mes études. En fait, je réinvente ce qui existe déjà. C'est ça que fait un maker. Quand on ne sait pas, on recrée, on se trompe et on s'améliore au fur et à mesure. Dans ma vie, j'ai fait énormément de projets, rien que sur ma chaîne YouTube. Il y en a plus d'une centaine et encore, il y en a d'autres, il y en a certains qui se sont fait supprimer. Mais voilà, j'ai fait énormément de projets dans ma vie, j'ai essayé énormément de trucs. Je me suis renseigné, tu vois, dans la vie, il faut avoir les bases. La mécanique, il faut bien comprendre les mécanismes, mais tout ça, c'est un peu inné en fait. Par exemple, il y a des gens qui naissent, qui savent très bien dessiner. Moi, je suis né, je n'ai jamais su bien dessiner. Et tu vois, il faut avoir une certaine vision. Chacun naît avec son talent en fait. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un peu inné. Et après, ce qui est inné, on peut évidemment, vu qu'on aime ça et que c'est inné et qu'on le possède déjà, eh bien, on peut travailler dessus et on peut le transformer en quelque chose de vraiment, vraiment stylé. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé les capacités que j'avais déjà en me renseignant pour l'électronique. Bah, l'électronique, faut avoir les bases, faut voilà, je sais pas comment dire, faut se renseigner sur internet, faut savoir, faut arriver à se mettre dans le truc et à comprendre un peu comment ça marche. En fait, tout le bricolage, c'est de la logique. Il y a quasiment rien besoin de savoir. Faut juste connaître quelques astuces pour pas se blesser, quelques astuces, quelques mécanismes type. Et après, il suffit de broder à partir de ça et réinventer des trucs, recréer des trucs. C'est de l'imagination et de la logique parce que bah, c'est logique quoi. Moi, je trouve ça logique. Mais après, forcément, si on n'est pas avec ce certain talent, c'est dur de s'y mettre dedans. Par exemple, moi, si tu me donnes des maths ou du dessin, c'est de la merde, je sais pas faire. Alors là, c'est pareil, c'est une question comme pour le nom de ma chaîne YouTube. C'est dur à dire, c'est sûrement quand j'étais en train de chier, j'étais en train de réfléchir sur ah, qu'est-ce que je pourrais bien fabriquer de débile aujourd'hui? Et j'ai envie de fabriquer un truc débile. Par exemple, récemment, j'ai eu l'idée de fabriquer une brosse à dents en nitrométhane. Vous savez, les petits moteurs thermiques là, les petits moteurs de modèle réduit de voitures thermiques au nitrométhane. On les démarre comme ça et ça fait. Et donc voilà, c'est un petit moteur et on le fout sur une brosse à dents et ça fait une brosse à dents à moteur thermique. C'est totalement débile, mais
pour le challenge et pour la débilité du truc, eh bien c'est parfait, c'est absolument parfait. Mon projet préféré que j'ai déjà fini de réaliser, c'est le Gatling Gun. J'ai fabriqué un pistolet à poudre à 5 canons et ça, en fait, dans le truc, c'est un pistolet, c'est pas une bonne idée de fabriquer ça, tu vois. Mais pour le défi technique, pour le talent que j'ai gagné en fabriquant ça, c'est énorme parce que j'avais seulement une meuleuse premier prix, un poste à souder premier prix, une perceuse premier prix et une lime. Donc avec ça, j'ai fabriqué un gros flingue automatique, un mécanisme de revolver. Donc j'ai été plutôt fier de ça. Pas parce que j'ai fait une arme, c'est pas bien, tu vois, mais pour le mécanisme que j'ai mis dedans, j'étais vraiment fier de ce que j'ai réussi à faire avec absolument rien. C'était encore dans mes débuts, c'était il y a 3-4 ans, donc voilà, j'ai fait ça avec presque rien. Et sinon, comme projet stylé que je suis en train de faire maintenant, c'est un drift trike turbo diesel, donc c'est un truc comme ça, une espèce de véhicule à 3 roues. Et ça, par sa difficulté aussi, c'est un projet dans lequel j'apprends au fur et à mesure énormément de choses et c'est un de mes projets préférés. Après, vous choisissez lequel est votre projet préféré, mais moi, c'est ces deux-là et je sais pas trop comment me décider entre eux parce que soit il y en a un où j'ai fait des trucs de ouf à partir de rien, soit là j'ai plus de matos et je fais un truc de ouf, mais j'apprends encore beaucoup de choses, donc voilà, c'est ça se balance. Alors là c'est une question difficile parce que forcément avec un seul outil tu peux rien faire, il faut peu importe le domaine où tu travailles, il faut toujours une combinaison d'outils pour arriver à faire quelque chose. Et les trois outils de base, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est meuleuse, poste à souder, perceuse. C'est les trois outils dont on peut absolument pas s'en passer. Il t'en manque un des trois, et bien tu peux rien faire. Si il te manque par exemple une meuleuse, mais t'as un poste à souder et une perceuse, bah tu peux. Tu te dis bien que tu peux rien faire, tu peux pas découper la ferraille avant de la souder, ça sert à rien. Donc voilà, c'est les trois outils dont je pourrais plus me passer. Je veux pas vous spoiler, je veux pas vous balancer tout ça comme ça, surtout que moi-même je sais pas exactement tout ce que je vais faire dans ma vie, mais ce que j'aimerais c'est réaliser un rêve de gosse qui est de faire un sous-marin, donc un truc qui va sous l'eau pour une ou deux personnes, un truc vraiment stylé, vraiment pimp, genre ce serait même en fait une sorte de véhicule totalement amphibie, une espèce de voiture qui va sous l'eau, donc voilà, ce serait hyper stylé et c'est vraiment un rêve de gosse. Donc pour l'instant je réalise en fait au fur et à mesure mes rêves de gosse. Quand j'étais petit, genre quand j'avais 6 et 8 ans, je voulais faire une moto, donc j'ai fabriqué ma moto, donc ça c'est bien. Ensuite, je veux faire ma propre maison, je veux me construire une maison avec tout ce que je veux dedans, donc ça c'est un travail de fou qui va me prendre des années et c'est pas pour tout de suite, j'ai que 20 ans donc on va se calmer un peu, mais j'ai déjà commencé à y réfléchir. Ensuite il y a plein d'autres petits projets qui vont arriver au fur et à mesure, des petits trucs qui ne prennent pas très longtemps, genre une semaine ou deux à faire. Et qu'est-ce que je veux faire d'autre? Ah oui, dans ma vie, un début dans ma vie, c'est de mettre en place un atelier énorme, une espèce de workshop où les gens peuvent prendre un abonnement et venir utiliser les machines et venir construire des choses dans mon atelier avec un abonnement. C'est un peu comme le truc de Leroy Merlin, je ne sais pas si vous avez entendu parler. Mais voilà, c'est un grand atelier avec énormément d'outillage et chaque fois qu'une personne a envie de fabriquer un truc, eh bien il vient dans l'atelier et il le fait. Donc voilà, c'est des projets pour dans très longtemps. Alors oui, pour moi le setup vidéo de base en 2019, c'est un Panasonic GH4, donc c'est le minimum, enfin c'est même pas le minimum, c'est très correct en fait. Avoir un GH4, vous êtes bien pour quelques années. Ensuite, vous avez un objectif qui ouvre à minimum F2, donc un objectif qui mange beaucoup de lumière. Et un bon son, il faut un bon son, tout le monde le dit, c'est très important, c'est normal. Donc pour débuter, je vous conseille un Rode VideoMic Go ou un truc comme ça, VideoMic Pro, je sais pas quoi. Un truc qui vaut 50€ qui se branche sur le Panasonic et ça marche nickel. C'est un bon son pour débuter et il n'y a pas besoin de s'emmerder à mettre des batteries, etc. Donc voilà pour moi le setup vidéo de base.
Ensuite, ils vous font un trépied, mais ça, ça va de soi. Et le trépied en soi, vous prenez du premier prix. On s'en tape. Le but d'un trépied, c'est que ça tienne un truc stable. Tous les suceurs de bites qui achètent des trucs des trépieds à 2 500 €, eh bien, c'est des suceurs. Ils ont des sponsors. Ils font des placements de produits à toutes les vidéos. Donc, forcément, qu'ils ont de la thune pour claquer dans des choses inutiles. Si tu veux faire des traveling, t'achètes un steadicam. Tu prends pas un trépied à 250 balles, voire 300 balles. Ça sert absolument à rien. Mon trépied m'a coûté 15 € et je le garde depuis 5 ans. Donc voilà, c'est pas là-dedans que vous allez mettre votre budget. Ensuite, des conseils. Alors oui, je vous conseille dans les vidéos d'éviter le malaise, éviter de faire des blagues de merde. J'ai mis beaucoup de temps à apprendre à ne pas faire des blagues de merde. C'est vraiment, je vous jure, c'est un travail sur moi-même très important. Ensuite, il vous faut une belle lumière, donc pas comme ici, vous inspirez pas de cette vidéo. Je suis dans un 20 mètres carrés, donc soyez pas très exigeant. J'ai pas mon matos sur moi ni rien. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Donc il faut, j'ai dit de la lumière, j'ai dit un bon son. Je me suis perdu dans mes explications en fait. Il vous faut aussi, donc oui, un bon son, une lumière, éviter le malaise, faire des plans stylés, donc faire des belles images avec votre appareil. Si vous avez un bel appareil, vous n'avez pas d'excuse de ne pas pouvoir faire de belles images. Et montrer votre visage, c'est important sur YouTube, les gens le négligent beaucoup parce qu'en fait l'humain est un être sociable, tu vois, on a besoin d'interaction humaine et ça crée le fait de montrer son faciès. Ça crée une sorte de proximité avec ses spectateurs et c'est moins chiant, ça crée du dynamisme, etc. Donc voilà, je vous conseille de montrer votre faciès, sauf si vous assumez vraiment pas votre gueule, mais ça c'est un peu triste, du coup ça sert à rien de faire YouTube. Donc voilà. Alors là pareil, c'est une question que tout le monde me pose. Il n'y a pas de secret pour se lancer. Tout d'abord, pour se lancer, eh bien, il faut de l'originalité parce que sur YouTube, il y a des milliards de vidéos et donc si tu fais des trucs que tout le monde a déjà fait, t'es noyé et tu vas faire zéro vue. Les seules vues que tu vas faire, ça sera toi quand tu vas recharger la page, donc c'est totalement inutile. Voilà, donc l'originalité, c'est extrêmement important. Donc en fait, ça fait 80% du travail. Ensuite, il faut... Donc comme je vous ai dit, il faut un bon setup vidéo parce que si tu commences par faire de la merde, plus le temps passe en fait, plus le standard de qualité minimum augmente. C'est-à-dire que par exemple, il y a 10 ans, le 720p c'était une qualité super, tu vois, alors que maintenant tu fais du 720p mais ta vidéo personne la regarde. Maintenant la 1080p c'est vraiment le strict minimum pour faire une vidéo. Donc voilà, voilà, il faut une bonne qualité vidéo, une bonne luminosité, donc tout ce que j'ai dit avant. Et qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Ben en fait c'est tout, il faut de l'originalité, une bonne qualité vidéo et les moyens, un peu de moyens, parce que si tu commences dans YouTube maintenant, donc en 2019, là c'est compliqué, je vais pas te mentir, si tu te lances maintenant et tu t'emboîtes des cure-dents, sache que tu vas jamais réussir. Pour faire du make, donc dans le domaine du bricolage, faut vraiment mettre un peu de thune, tu vois, c'est comme lancer une entreprise, faut vraiment investir un peu dans du matos, dans du matériel pour fabriquer des trucs. Et voilà, faut avoir du talent, de l'originalité et un peu de moyens et t'es bien parti pour te lancer. Bien, c'est une très bonne question, je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour moi, un maker, c'est deux choses. C'est tout d'abord un artiste et un mec très doué avec ses mains. Donc voilà, pourquoi un artiste? Eh bien parce qu'il faut avoir de l'imagination pour des nouveaux concepts. Pour moi, un maker, c'est un mec qui apporte du nouveau. Si toute ta vie, tu fabriques une table, ça sert absolument à rien. T'es pas un maker, t'es juste un mec qui fait des tables. Donc voilà, faut vraiment être un artiste et oser tenter des trucs que t'as jamais tenté avant. Donc c'est ça, pour moi, être un artiste, c'est de l'originalité et des trucs... Ouais, de l'originalité, du crash test. Si t'es juste un artiste, tu vas finir par faire des peintures à la Picasso, ça va juste être dégueulasse. Donc voilà, si t'es juste un artiste et pas de talent, tu vas jamais rien faire de ta vie. Enfin si, mais je veux dire, tu vas jamais être un maker. Si t'es juste un mec doué avec ses mains, dans ce cas-là, tu vas juste finir par être un bricoleur du dimanche. Donc tu vas poser des parquets, tu vas refaire tes murs. C'est super, il y a très peu de gens qui savent faire ça, donc c'est vraiment une grande qualité. Mais t'es pas un maker, tu fais juste des choses classiques. Donc voilà, maintenant que tu combines les deux, t'as de l'imagination et du talent,
tu es un maker et tu fabriques à chaque fois des choses originales, des trucs nouveaux, t'apportes en fait du frais et des trucs que les gens n'ont pas déjà vu. Donc voilà, c'est ça pour moi être un maker. Voilà, donc si par exemple tu fabriques des tables et toute ta vie tu fabriques des tables, eh bien dans ce cas-là tu seras jamais un maker parce qu'il n'y a pas d'originalité dans ce que tu fais, il manque la partie artiste, il y a la partie bricoleur du dimanche parce que tu t'es fabriqué une table parce que ta femme veut que tu lui fasses une table, mais voilà, c'est... Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue et trop chiante, et sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne principale. Ciao! Salut les gens, comment ça va? Alors je me présente en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jonathan Wouters, alias Clin d'œil. Tout comme le nom de ma chaîne YouTube, DIY Clin d'œil. Clin d'œil, comme tu veux, c'est la même chose. Je suis belge, je pense que ça s'entend fortement. Je suis né en 1985, donc actuellement j'ai 34 ans. Ma chaîne date depuis... officiellement, on va dire 8 mois, officieusement, je l'ai depuis 2015, mais bon, c'était toujours en petit compte profil, un 6 en plus. Mais je suis fortement actif sur ma chaîne depuis janvier 2019. Donc comme ça, tu sais que c'est depuis 8 mois que je suis sur YouTube. La première, la toute première à le savoir, parce que j'ai quand même demandé sa permission, c'est ballot de dire ça, mais on ne peut pas se lancer sur YouTube sachant qu'il y a beaucoup de gens qui vont te voir si ta femme est jalouse ou ne veut pas. Donc ça a été la toute première à le savoir, je lui ai déjà demandé si elle voulait bien, et sa réponse a été assez claire, oh tu te peux, ça me dérange pas. Ok, ça va, c'est pas passé dans l'oreille d'un sourd. Donc voilà, et puis après ma première vidéo... qui n'était pas forcément une vidéo, c'était plutôt un montage photo, parce que voilà, j'avais un projet qui m'avait duré 5 mois, qui était l'air de jeu en bateau, et je voulais la mettre sur YouTube, et voilà, donc ça a été ma première petite vidéo montage, et ma femme n'était pas forcément contente, elle a bien apprécié. J'ai tout doucement demandé l'avis à mes parents. Maman toute folle, toute contente, hein, c'est bien fait, fonce et tout ça. Le papa un peu plus restreint parce que voilà, voilà, c'était un peu comme ça. Et puis après au fur et à mesure des vidéos, ça s'est super bien passé. Les collègues l'ont su, voilà, ce que j'ai un peu quand même dit aussi, annoncé la couleur. Et tout le monde autour de moi m'encourage. Il n'a pas forcément de moquerie, il n'a pas forcément de jugement, que du contraire, il a beaucoup de conseils. S'il y en a deux qui le font, pourquoi pas toi? Donc vas-y, fonce, 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 fonce. Donc autour de moi, je parle de personnes que je vois couramment, c'est que du positif. J'ai aucune personne qui m'a dit « tu devrais pas ». Maintenant, les gens que je connais, que je côtoie peut-être, plus parce que voilà, la distance fait que peut-être que entre eux ils se disent autre chose, je ne sais. Et je vais te dire, je m'en fous, je vais te dire honnêtement, je m'en fous, mais je m'en balais royalement. C'est, je le fais en premier lieu pour moi, non, je le fais en premier temps pour moi. Les gens apprécient, tant mieux. Les gens n'apprécient pas, c'est ma vie, je fais ce que je veux, à part la vie de ma femme qui est très important, le reste. Comment je gère la famille, le travail, les enfants, les hobbies? Il m'a fallu, bon ça fait 8 mois que je suis lancé, il m'a fallu quand même 7 mois avant de comprendre le mécanisme que moi je me dois d'avoir pour savoir survivre à tout ça. C'est très 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 hard. Bon déjà il faut absolument, c'était déjà un premier conseil que je te donne. Des conseils sur YouTube pour se lancer, t'en as plein. Eh bien, malgré tout ça, fais un filtre. Parce que des conseils pour se lancer sur YouTube, ok. Mais tu sais, c'est pas si simple du tout. Ceux qui donnent des conseils, peut-être qu'eux ne sont pas mariés. Peut-être qu'ils n'ont pas d'enfants. Peut-être qu'ils ont pas, ils sont peut-être pas ouvriers. Donc, au niveau effort physique, ils sont peut-être moins fatigués. Plus si tu es séparé, si tu as d'autres hobbies comme le sport, où ça demande beaucoup d'entraînement par semaine et tout. Donc, ceux qui donnent les conseils, la plupart du temps, c'est propre à eux. Et ce ne sont pas une généralité. Parce que tu ne sais pas faire pour moi une généralité. Tu dois toi-même
te découvrir et découvrir un peu comment tu fonctionnes, comment ta fatigue réagit et comment ton entourage réagit par rapport à tout ça. Moi, je vais prendre mon exemple à moi. Donc, je précise bien, c'est le mien. Peut-être qu'il y en a qui s'identifieront peut-être, mais moi, voilà, je suis un ouvrier qui travaille dans une tôlerie. Je suis plieur, si tu veux, j'expliquerai un peu après, c'est en fonction des questions, ouais. Physiquement, je suis mort. Quand je rentre du travail, je suis épuisé. Donc, en semaine, je fais jamais de vidéo. Comme ça, moi, tu le sais, c'est pas possible pour moi, je suis claqué. Le matin, c'est pas possible parce qu'à 6h, je suis debout, donc voilà. Le week-end, ça dépend. Je suis séparé d'un premier ménage où j'ai une petite fille et je l'ai, on va dire, un week-end sur deux complet. Donc, mes vidéos dépendent uniquement de ma fille. Et puis après, par la suite, j'ai un gamin, le fils de ma compagne actuelle, qui voilà, commence à faire du sport. De toute façon, je n'ai pas envie de te faire voilà, un discours là-dessus, mais son planning joue aussi sur le mien. Tu sais, les samedis, il faut peut-être faire ci, ma fille, il faut peut-être faire ça. Donc, en plus de ça, que moi, j'ai d'autres hobbies aussi. D'abord, parce que je suis un bricoleur-maker, que je n'ai pas forcément d'autres hobbies. Donc, au niveau planning, c'est très, 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 très hard. Alors, ce que je fais, c'est que au début, je ne fais vraiment pas cette bêtise-là, sauf si tu veux avoir une mauvaise expérience et sortir plus fort de ça, mais j'ai fait 2 vidéos par semaine. Il y en a que je connais, que je côtoie, qui le font. Mais ils n'ont pas le même train de vie que moi. Ils ont des horaires différents, ou soit qui travaillent peut-être moins physique, ou plus la nuit, qui fait que la journée, ils savent. Donc voilà, donc moi, 2 vidéos par semaine, c'était pas possible. J'ai tenu 1 mois, après j'ai dit, c'est pas possible, je vais arrêter YouTube. Et j'ai dit non, il faut pense autrement. Je me suis dit, allez, 1 vidéo par semaine. Mais même 1 vidéo par semaine, mon rythme à moi faisait que c'était malgré tout hard. Et après, j'ai parlé, demandé des conseils à gauche et à droite. J'ai décidé de faire 1 vidéo toutes les 2 semaines. Si un jour je suis en vacances et j'arrive à faire 5 vidéos, c'est pas pour autant que je vais sortir les 5 d'affilée toutes les semaines. Non, ça me laissera quelques mois si je fais ça toutes les 2 semaines. Et ça me permettra un peu de me la couler douce. Il ne faut surtout pas que YouTube soit une contrainte familiale pour par rapport à tes hobbies, par rapport à autre chose. Non, YouTube, ça doit rester un plaisir et surtout pas une contrainte. Ça, c'est très important. Franchement, c'est... Je ne vais pas dire que j'étais à 2 doigts d'arrêter YouTube il y a un petit temps d'ici, mais j'ai réfléchi autrement et je me suis dit, wow, c'est pas une obligation YouTube, tu le fais déjà pour toi. Si tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas de vidéo. Et puis voilà. Je sais plus vraiment. Je vais t'avouer, j'ai un petit doute, mais je pense que c'est quand j'ai publié sur YouTube un groupe, tu sais, de bricoleurs avec des palettes, mon air de jeu en forme de bateau. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé comment j'ai fait, parce que voilà, à travers des photos, c'est bien. Mais on aime bien des fois des petites explications ou soit des commentaires. Et quelqu'un, je pense, ça vient de là, quelqu'un m'a demandé est-ce que j'ai une chaîne YouTube. Et puis après, par la suite, en parallèle de ça, il y a quelqu'un de ma famille, je pense que c'est ma filleule, Sophie. Ben, je te fais un gros bisou, ma puce. Elle m'a dit, mais parrain, pourquoi tu ne te lances pas sur YouTube? Tu fais pas mal de bricolage. Et je pense que c'est tous des petits trucs qui ont fait que j'ai rassemblé tout ça. Et je me dis, bon, ben, je vais me lancer sur YouTube. Pourquoi pas? Et voilà, donc c'est pas un truc qui était droit depuis le début. C'est le pur hasard. Franchement, c'est vraiment le pur hasard. Je rigole parce que c'est assez osé. Je suis quelqu'un qui ne suis absolument pas tabou. Moi, on peut parler de kikin poupou, c'est ragnagna, j'en ai rien. C'est des mots qui sonnent. C'est harmonieux dans ma bouche et dans mes oreilles, ça ne me choque pas. Donc, ce que je vais te dire là, ça pourrait peut-être offusquer certains, mais bon. Quand j'étais adolescent, j'étais abonné à un livre qui s'appelait. J'étais abonné à des livres qui s'appelaient Clin d'œil. Et ce livre-là, dans les pages, en fait, c'était des blagues coquines, mais en version BD. Hein. Et je suis un grand fan de ce style de BD-là.
Un peu comme les blagues coquines ou les blonds, tu vois, les fameuses BD là. Et c'est un humour que j'ai toujours bien aimé. Et clin d'œil, ça m'est resté. Ça m'a marqué, c'était un beau nom, ça sonnait bien. Et voilà, j'ai pris ce mot-là. Maintenant, en même temps, je remarque aussi que clin d'œil, ça peut avoir une autre signification, c'est le clin d'œil. Et moi, dans le bricolage, je me dis, je travaille avec de la récupération. Donc, c'est tout le monde peut faire ce que je fais. Je fais des choses simples, basiques, pour monsieur et vraiment tout le monde. Donc, c'est un petit aussi clin d'œil qui fait que si je sais le faire, toi, tu sais le faire. C'est, je redescends tout le monde au même niveau. Je me dis mes cœurs, mais en même temps, je suis quelqu'un qui fait du basique. Je sais pas du compliqué. Donc, voilà, d'où le nom et la signification de choses différentes, mais pour le même mot. Donc, voilà, d'où ça vient un clin d'œil. Et, petit aparté au niveau symbole de ma chaîne, c'est l'ampoule. Ça fait penser aussi à une idée, d'avoir pouf, une idée. Et à l'intérieur, j'ai le symbole recyclage, recyclage, récupération. Donc, avoir une idée avec la récup. Maintenant, tu comprends un peu le symbole. Et en bas, ben, justement, c'est le KD, la variation de clin d'œil. Donc, voilà un peu pour le nom et le logo de ma chaîne. Séparer la question en deux. Quels sont mes makers préférés? C'est délicat parce que j'en ai plein, plein, mais plein, 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 plein. Mais voilà, tu veux une réponse, je vais t'en donner une. C'est Astuce Design. Je suis fan de tout ce qu'il fait parce que c'est si simple, mais à la fois, moi, j'ose pas faire ça parce que c'est quelque chose que je ne gère pas, je n'ai jamais essayé. Et quand tu regardes ces trucs, c'est waouh! Je suis vraiment fan de tous ces projets. Donc, comme ça, Jonathan, un petit big up. Hein. Maintenant, il y a aussi MTM Wood. Alors, lui, c'est. Ben, en fait, quand je vois ça, j'ai la bouche qui s'ouvre. C'est hallucinant ce qu'il fait. Pour t'expliquer un peu, il fait des découpes bois de boue, oui. Et il les assemble, les colle, ça fait une genre de mosaïque. Mais c'est un truc de. Ça donne des effets d'illusion. Donc tu regardes le truc, tu fais ça donne un effet, tu fais ça, donne un effet, tu fais ça. Et c'est la même plaque, hein. C'est pour moi, ça s'appelle vraiment un artiste. C'est vraiment. Je t'invite même à aller voir sa chaîne. Tu seras vraiment sous le cul de savoir ce qu'on peut faire avec du bois, tout simplement. Et juste du collage, hein. Donc tu vois, c'est que des découpes du collage, hein. Donc voilà. Et le troisième maker, c'est l'Arrondi. Il n'est pas encore fort connu, et c'est. Voilà, je pense que c'est parce qu'il débute, mais ce mec-là, je le mets là. Je le mets vraiment au top. J'admire ce qu'il fait de ses mains. Ça m'arrive, on va dire, souvent d'avoir des messages, on se partage des avis, des conseils et tout. Ce qui me fascine chez lui, c'est le peu d'outillage, le peu de matériaux et ce qu'il en ressort. Il a des gens qui travaillent avec des essences de bois, je sais rien où il va chercher ça, franchement. Et lui, il prend des essences de bois que tout le monde peut avoir chez soi, franchement. Et il te fait aussi des collages, mais il te fait des belles formes, des beaux projets. Il t'a fait une tortue, il te fait une épée, il te fait des voitures. Et tout ça avec tellement peu de choses. Et franchement, c'est un très très grand respect. Je te le dis franchement, respect, je t'admire fortement. Jonathan aussi, vous êtes deux makers francophones que j'admire fortement. Et maintenant, je voudrais justement passer à la question suivante. C'est avec qui je souhaiterais travailler. Je ne gère absolument pas la résine. Jonathan de Astuce Design, pardon, Astuce Design fait partie des trois personnes avec qui ça me déplairait pas de travailler. Parce que j'ai envie de découvrir franchement cette matière-là, ce qu'on peut faire, les trucs et astuces à surtout pas faire, hein, les conseils, tout ça. Parmi les trois makers, il y a Jonathan d'Astuce Design, il a Jonathan de Astuce Design et il y a Adopte une caisse. Ben, pour moi, c'est une évidence. C'est un mec aussi qui est de très très haut niveau, que je respecte fortement pour son travail.
Et Ilium, on le connaît très peu aussi, ici, il fait aussi de la résine, c'est Custopoxy. Bon, les trois makers que je t'ai dit, ils ont toutes la même particularité, c'est la résine. Alors pourquoi trois de la résine? C'est parce que pour moi, la meilleure école, c'est d'avoir plusieurs professeurs qui expliquent la même chose. Moi, j'ai. Allez, quand quelqu'un m'explique quelque chose, des fois, je peux pas comprendre, alors que c'est si simple. Mais il suffit, pouf, d'entendre le mot-clé pour que je comprenne. Alors, si j'ai trois professeurs qui expliquent de manière différente la même chose, au moins j'ai des chances de gérer la résine. C'est juste pour ça. Donc voilà, c'est un petit résumé. C'est Jonathan de Astuce Design, c'est Mathieu de Custo Poxy et c'est Jean de Adopte une caisse. Voilà, c'est les trois makers que j'aimerais bien. Pourquoi pas? On sait jamais, on sait jamais. Il y a quand même que 1000 km qui ne sait pas. On sait jamais, on sait jamais. Donc l'inspiration, elle vient aussi de mon papa. C'est pour moi le tout premier maker que j'ai connu, que je connais. Il est là. Il est là. Moi, j'ai toujours dit le gars qui a créé la série MacGyver, à mon avis, il est passé dans ma rue pendant que mon père travaillait dans le garage. C'est pas possible. C'est un exemple de malade. Il a toujours un truc et astuce. Et mon inspiration, en fait, c'est lui. C'est con, mais c'est lui. Et quand il me dit, oh, je voudrais bien faire ça, eh ben moi, j'ai tendance à dire, ouais, mais moi, j'ai d'autres idées et je vais faire autrement. Et puis après, on en parle. Et c'est ça qui est formidable, c'est les échanges pardon, d'idées, de conseils, de partage. Et donc voilà, d'où viennent mes idées, c'est principalement de lui. Mais voilà, il a aussi Pinterest. Je vois des fois des projets, je dis, ah oui, j'essaierai bien. Il a aussi des conseils de collègues. Je suis honnête, il a des fois des collègues qui viennent vers moi, oh, tu essaierais bien faire ça, t'as jamais pensé à faire ça. Bon, allez, ça va, je te fais une vidéo. Et donc voilà, donc c'est un peu tout le monde. Et des fois, c'est parce qu'on me demande, tu ferais bien ça? Ouais, et là, je réfléchis comment je vais faire. Et des fois, je dors pas pendant la nuit parce que je cherche comment faire ça. Et puis après, au réveil, je me dis, allez, je sais comment faire. Et voilà, tout simplement. Écoute, je vais me permettre de répondre trois réponses parce que ça me touche vraiment. Le tout premier projet qui me tient à cœur, que ce soit sentimentalement et aussi pour moi, pour ma fierté à moi, c'est mon aire de jeu en forme de bateau. Je vais t'expliquer grossièrement. Je suis quelqu'un qui suis parti assez tôt de chez mes parents parce que j'avais besoin de mon indépendance. Voilà, j'étais comme ça. J'ai fait pas mal d'appartements, petit appartement, 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 appartement. Et comme je t'ai dit, mon papa est pour moi l'un des premiers makers que je connaisse, qui m'a beaucoup enseigné, m'a enseigné, il m'a enseigné pas mal de choses, mais énormément de choses. Et ce savoir-là, je n'ai jamais réussi à le mettre en pratique. Donc, quand tu sors de chez tes parents, tu fais appartement, 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 à un certain moment, ben, tu as une boule là. Tu dois faire quelque chose, mais tu ne sais pas parce que tu n'as pas de garage, tu n'as pas de ci, tu n'as pas de là. Jusqu'au jour où, avec ma compagne, on s'installe dans une maison et voilà, quelques mois se passent, le beau temps arrive et tout, et ma compagne me dit, tu ferais bien une petite cabane dans le jardin pour les enfants. Maintenant, on a vécu 3 ans d'appartement ensemble, on s'est rencontrés, on a habité en appartement, et ne savait pas qui j'étais réellement. Ça, c'est très important. Donc, elle ne savait pas elle savait que j'étais un bricoleur, mais des bricoleurs quoi. Mais elle ne savait pas de quoi j'étais capable. Moi, j'ai toujours su, grâce à mon éducation et mon papa. Quand elle m'a demandé ça, j'ai dit, ouais, ça va, pas de souci. Mais sans plus. Moi-même, je me dis, non, je ne vais pas faire une simple cabane. C'est con, c'est triste, mais non. Non, je voulais exploser tout mon savoir. Et à un certain moment, elle a eu l'idée de, oh, tu ferais bien une cabane, mais c'est un peu plus avec une forme et tout. Ok, ça va. J'étais prête à faire une cabane sous-marin. J'étais prête à faire une cabane hélicoptère. J'étais prête à faire une cabane château fort. Et à un certain moment, je me dis, moi, oh, je vais faire bateau. Et voilà. Et c'est parti là-dessus.
Mais elle s'en souvient des nuits, hein, des nuits où je cogite, je tourne dans le lit, je cogite. Pour moi, ça a été le plus gros projet sentimental, parce que je l'ai fait pour mes enfants. Je l'ai fait pour elle, parce que je lui ai montré qui j'étais réellement là-dedans et là-dedans. C'est pour moi aussi, parce que c'était le plus gros projet que j'ai fait. On va dire seul. Mon papa m'a aidé pour faire l'ossature, pour un feu, les palissades, ma femme un peu pour le béton, les enfants aussi, pour les vis. Enfin, soit... Mais je l'ai fait, on va dire, à 80%, quoi. Et j'ai été très, très, très fier de ça. Et pour moi, ça a été une... Je me suis découvert, tout simplement. Je sais, quand t'as 22 ans et que t'as 30 et des ans, tu te dis, mais j'ai encore rien fait de bien, quoi. Et là, j'ai fait quelque chose pour mes enfants, pour ma femme, pour moi. Pour les amis, quand ils viennent avec leurs enfants, c'est quitte à avoir la larme aux yeux. Moi, quand j'ai tout fini, on est au-dessus du bateau, on avait tous les deux une pinte. Moi, j'avais la limite, la larme, parce que je me dis, waouh, franchement, c'est ma plus belle satisfaction, c'était ça. Et puis après, il a eu un autre projet, c'était les produits d'atelier. C'est con, franchement, c'est un projet qui a l'air con pour vous, mais moi, depuis gamin, mon papa, il m'a jamais interdit de jouer avec les produits toxiques. Du moins, toxique, White Spirit, acétone, avec masque, et tout ça. Il était toujours à côté de moi, mais il avait cette confiance-là. Mais moi, je suis un peu une tête de mule. Moi, j'utilise une fois l'acétone, ok, ça va. 2 mois après, je ne sais plus à quoi ça sert. C'est triste, mais c'est comme ça, je l'avoue. Et depuis longtemps, depuis que je suis gamin, en fait, hein, je voulais faire une liste. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Et ça m'a pris un temps fou de faire ce tableau-là. Qui est juste là. Et quand j'ai sorti la vidéo là, un jour après, il y a un confrère québécois, Jacob, je te fais coucou, qui m'a demandé le fichier. Et moi, j'ai été super content, parce qu'un petit jeune qui bricole me demande ça. Et je me dis, bon, moi, j'ai rendu service à quelqu'un, et ça me fait super plaisir. Tu te dis, ben, ça y est, YouTube se lance, le partage. Et j'étais aussi, encore une fois, content de moi, du temps passé à faire des recherches et tout, de travailler sur Photoshop, PowerPoint, tout ça. Et un autre projet, le troisième, et ça, c'est rien à voir, c'est le pire. C'est le pire projet, mais je vais t'expliquer pourquoi je t'en parle, et tu devrais aussi en avoir un. La rénovation du manche de Hachette. Oui, c'est ça. C'est une vidéo qui fait partie... mes toutes premières, tu sais, où je t'ai dit au début que j'en faisais 2 par semaine. C'est une vidéo qui me rappelle qu'il faut arrêter de faire de la merde. J'étais pressé par le temps, je me devais de sortir une vidéo tel jour, j'avais rien, et je me dis, allez, je vais faire ça. Voilà. Et j'ai bâclé tout, j'ai raté le montage, j'ai raté des étapes, parce que j'ai oublié de mettre le coin pour caler le manche dans la hache. C'est vraiment une vidéo de merde, je te le dis, voilà. Et après, de là, j'ai dit, non, j'entends, tu vas la laisser là. Et chaque fois que tu la verras, elle te rappellera que tu dois avoir conscience que ta chaîne YouTube, c'est pour toi. Si tu n'as pas de vidéo, tu n'as pas de vidéo, mais ne te force pas. Les abonnés qui te suivent aussi pour ce que tu fais comme vidéo, mais aussi pour la personne en elle-même. S'ils partent parce qu'ils n'acceptent pas, mais tant pis. Mais je ne changerai pas pour mes abonnés. J'ai les abonnés qui m'acceptent comme je suis. Donc voilà. Donc je ne me forcerai pas à faire une vidéo. Et celle-là, cette vidéo-là, me le rappelle. Tout le temps. Et donc voilà. Donc voilà pour les 3 vidéos. Des projets, j'en ai... j'en ai au moins 100. je t'avoue, j'ai une liste ici qui est sur la porte. J'ai une feuille avec au moins 100 projets. C'est des biestries, mais en fait, ce sont des thèmes de vidéos. Des trucs et astuces, je pourrais faire ça, je fais ça. Je n'ai pas vraiment de projet qui... J'en ai plein, voilà. Je cherche juste l'opportunité, une fois que j'ai le bon matos, une fois que j'ai le temps, une fois qu'il y a le temps dehors pour le faire, parce que voilà, toujours dans son garage, quand il pleut... Les projets sont en fonction de plusieurs facteurs. Donc, je n'ai pas forcément de projet. Ici, je vais... Ouais, si, ouais, j'ai un autre projet. Je voudrais bien faire une autre partie de la palissade devant chez moi, avec des immenses bacs à fleurs jardinières. Et
Bon, on va dire c'est celui-là le projet. C'est pas secret, mais c'est pas youpi, tu vois ce que je veux dire. Ah. Mais écoute, la visseuse, c'est pour moi une très très excellente réponse, mais elle a déjà été dite. Et je vais me dire, redire est-ce que ça a déjà été dit, ça sert à rien. Donc, j'ai deux autres pour moi machines. C'est ma meuleuse d'angle. À ne surtout pas confondre avec une disqueuse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent une disqueuse et une meuleuse d'angle. La disqueuse, c'est un disque ainsi, la meuleuse d'angle, c'est ça. Donc, la meuleuse d'angle, au moins deux fois par semaine, j'utilise. C'est à la limite, plus que ma visseuse, quand tu regardes bien. Alors, pourquoi je l'utilise ? La visseuse, tu vises, tu fores. Tu sais adapter, entre guillemets, un bricolage que tu as fait avec du papier de verre pour poncer. Mais c'est tout. La meuleuse d'angle, pour moi, a beaucoup plus de fonctions. Tu peux découper, tu peux meuler, tu peux poncer, tu peux enlever des ébavurer. Si tu mets un disque tronçonneuse, ben, tu peux tronçonner. Tu peux mettre un disque à sculpter, donc tu peux sculpter. Tu peux mettre des plateaux, tu vois, des plateaux pour rajouter, par exemple, un disque à poncer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la meuleuse d'angle, ben, tu peux faire autant la résine, du moins poncer de la résine, du bois, du métal. Et donc finalement, moi j'utilise tout le temps la meuleuse d'angle pour des choses différentes, mais toujours avec la même meuleuse d'angle. Donc pour moi, c'est l'outil le plus utilisé pour moi. Et le deuxième, ça c'est plutôt on va dire stationnaire, c'est la scie circulaire sous table. Bon, je sais pas moi, dans mon éducation, dans mon passé, dans ce que j'ai vécu et tout, une scie circulaire, à la base, c'était un gros moteur triphasé qui faisait au moins 15-20 kg, qui il faisait tourner une courroie et qui faisait tourner la lame. Mais la lame, c'était pas une lame rincée, c'était la lame, tu vois. Et ça permettait de refendre du bois, mais couper du bois quand tu achetais plusieurs stères. Et pour moi, à la base, c'était ça, une scie circulaire. Et quand j'ai acheté ma propre scie circulaire, ben, je l'ai utilisée pour ça aussi. Donc, je découpais du bois pour tu sais, barbecue, bois de chauffage et tout ça. Et en même temps, en parallèle, j'utilisais des fois pour des belles planches, des précisions. J'ai défoncé ma scie circulaire. J'ai dû la démonter, la retrafiquer. J'ai dû la remplacer déjà certaines pièces. J'ai vraiment pas pris soin de la scie circulaire. Alors, pour les fans, les ébénistes, les menuisiers, ne m'en voulez pas. C'est parce que c'est, pour moi, à la base, une vraie scie circulaire. C'était deux choses différentes pour moi. Donc voilà, ça c'est un outil que j'utilise tout le temps, là c'est circulaire sous table, autant pour des précisions quand elle veut bien ou quand elle veut encore, que autant pour découper des chutes de bois pour brûler ou pour barbecue quoi. C'est la même chose, mais voilà, t'as compris. Des conseils, il y en a plein. Il y en a déjà pas mal qui ont été proposés, donnés par des confrères qui sont excellents. Te redire la même chose, ce serait enrichissant pour toi, donc je vais te donner des autres. Pour moi, ce qui est très important, c'est que YouTube, c'est un peu comme la vie qui t'entoure. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui ne t'aiment pas, il y a des gens qui te haïssent, il y a des gens qui t'admirent, il y a des gens qui sont neutres. Toi, c'est pareil, il y a des gens que t'aimes bien, il y a des gens que t'aimes pas, il y a des gens que tu veux plus jamais voir. Mais YouTube, c'est pareil. Dis-toi que s'il y a des gens, des fois, qui viennent te mettre des pouces, c'est peut-être pas par rapport à ton contenu ou ta vidéo, c'est juste parce que c'est toi. Et ça, tu dois être conscient de ça. C'est que tu dois pas... Dans ma vie actuelle, dans ma vie privée, je me fous du regard des autres. Je suis un je m'en foutisme, je vis pour moi. Moi, je vis pas à travers le regard des autres. Et bien, YouTube, ça doit être pareil. Le pouce moins, c'est comme si tu avais constamment du Tipex dessus. Tu t'en fous, mais royalement, quoi. C'est des gens, soit qui t'aiment pas,
ou soit qui veut t'emmerder. C'est quelqu'un qui te connaît, qui veut toujours enfoncer la punaise. Je le hais, je veux lui montrer. Mais si réellement tu l'aimes pas, marque-le. Soit, et des couilles, au lieu de faire ça incognito, tu dois avoir conscience que YouTube, c'est ça. Ça, c'est le premier conseil. Et donc, pour moi, donc, le premier conseil, en gros, c'est ne pas vivre à travers le regard des autres. Donc, tu t'en fous vraiment des pouces négatifs. C'est comme ça. Ne pas avoir peur aussi de perdre l'audience. Moi, j'ai perdu 6 abonnés en une seule vidéo. Et je vais te dire, je m'en moque un peu. Je vais t'expliquer. J'ai fait une vidéo qui était un putaclic. Et un putaclic, en tant que youtubeur, tu te dois, du moins je me devais, il faut que j'en fasse un. C'est le bizutage de YouTube, quoi. Tu dois en faire un. Et il y a de mes abonnés qui n'ont pas accepté. C'est pas grave. Franchement, je vais te dire, c'est pas grave. J'ai dit que je m'en foutais. Non, je m'en fous pas vraiment parce que j'ai marré tout du beaucoup de respect envers mes abonnés. Mais c'est le fait que, je disais avant, ce que tu fais dans tes vidéos, c'est bien. Mais celui qui le fait, c'est bien aussi. Moi, j'ai ma personnalité, j'ai ma façon de penser, j'ai mon caractère, mais en même temps, j'ai mes vidéos et tout ça. Si les gens me regardent que pour ça, ben c'est triste, parce que c'est un tout. Donc, si j'ai perdu des abonnés, ben c'est parce qu'ils ne m'acceptaient pas moi comme j'étais. Donc finalement, ben, c'est pas grave. Les abonnés qui sont là ou qui restent là, c'est parce qu'ils m'acceptent moi. Belge, autodérision, sympathique, bon vivant, toujours un peu d'humour. Donc voilà. Donc accepte de perdre aussi des abonnés et n'aie pas peur de oser faire des choses. Deuxième ou troisième petit conseil, ça va être la différence. Ah, la différence. Je pense que pour moi, c'est un des plus gros conseils que je peux te donner, que d'autres makers pourraient aussi te donner. C'est ne montre pas pour quel parti politique tu es. La différence culturelle, la classe sociale, qu'est-ce qu'il pourrait encore, côté origine, côté linguistique. Tout ça, tu ne dois jamais montrer que tu es plus pour et moins pour. Voilà, jamais. C'est le bricolage, c'est un peu comme la musique, c'est le sport, c'est le cinéma. Ça dépasse toutes ces frontières-là. Je vais te donner un exemple, et ça me touche sincèrement. C'est que lors de ma vidéo, pour remercier mes 100 premiers abonnés, j'ai un Indien qui aime bien mes vidéos, qui m'aime bien, quoi. Et j'ai dû prendre un traducteur, du moins un traducteur Google, pour comprendre ce qu'il me disait. Et c'est un mec, il est fan de ce que je fais. J'avais que 100 abonnés, j'avais à peine quelques vidéos. Mais imagine si un jour, dans mes vidéos, je dis « Oh, j'aime pas ça !» et que lui, il est ça. Ben, j'ai perdu des abonnés. À cause de quoi? D'une opinion personnelle. Tu as le droit d'avoir des opinions, mais qui t'as dans le bricolage, puisqu'on en a à foutre que t'aimes bien ou t'aimes pas. On s'en fout, mais royalement. Alors pour moi, le conseil, c'est que tu fais une chaîne de bricolage, reste dans le contexte du bricolage. Avec de l'humour autour, pour bien enrober et arrondir les beaux angles, et c'est tout. Et puis après, tout le reste, tu fais au montage, avec des petites musiques, des petits bérolles, et puis voilà, et c'est tout. Les créations, bon, déjà, où tu peux me trouver, ben, sur YouTube, c'est DIY Clin d'œil. Sur Instagram, c'est DIY Clin d'œil. Sur Facebook, c'est DIY Clin d'œil. C'est tout. Donc Instagram, c'est de temps en temps des petites photos quand je suis en train de faire un projet. YouTube, ça va dire c'est le projet complet qui passe en vidéo. Et Facebook, c'est là, un groupe que j'ai où c'est pareil, c'est ce que je mets sur Instagram, je mets sur groupe Facebook là. Donc voilà, c'est déjà pas mal, je trouve. Et un petit conseil. Facebook, tu le mettrais de côté. Moi, je ne verrais pas la différence. Par contre, YouTube, pour moi, ça rime avec Instagram. Tu mets quelque chose sur Instagram, pouf. Moi, depuis que j'ai Instagram, j'ai beaucoup plus d'abonnés.
J'ai beaucoup plus d'abonnés, je veux dire, sur YouTube. Donc, moi, je te conseillerais d'avoir au minimum Instagram et YouTube. Donc là, tu sais très bien que je parle beaucoup, mais là, je vais encore parler encore plus beaucoup. Encore plus beaucoup. Voilà. Mais déjà, avant d'être maker, il faut déjà être bricoleur. Mais ça ne veut pas dire que pour moi, tous les bricoleurs seront un jour des makers. Et encore, dans les makers, il y a deux makers. Il y a le maker maker et le maker youtubeur. C'est-à-dire des fois des makers, comme je prends l'exemple de mon papa, qui pour moi est le maker, makeiver, tout ce que tu veux, mais YouTube, lui, voilà. Et pourtant, ça reste un maker. Donc, qu'est-ce que c'est ? Déjà, je voudrais déjà faire une petite explication pour moi d'un bricoleur. Que ce soit de main gauche ou un vrai bricoleur, quoi. Pour moi, un bricoleur, c'est quelqu'un qui rafistole, qui répare, qui fait pas mal de choses, finalement. Mais ce qui différencie le bricoleur du maker, c'est que le maker, il invente, il transforme. Style, une machine à laver qui est foutue, mais il te la transforme en fumoir pour jambon. Tu vois la transformation ? Ça, pour moi, c'est un maker. Changer par exemple un joint d'un siphon parce que ton évier fouille, ça c'est un bricoleur. Tu vois le lien? C'est le maker, c'est quelqu'un qui ne sait pas rester à rien faire. Un bricoleur, s'il a rien à bricoler, bah sa vie continue. Le maker, pour moi, c'est un truc qui vient de ses tripes. Il a une de ces boules que s'il a rien à faire, il est pas bien dans sa peau. Il doit inventer, il doit bricoler, il doit innover, il doit faire quelque chose de sa main. Il serait tout nu, il arriverait qu'au jouer à quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est... Il ne sait pas rester à rien faire. Ça, c'est vraiment pour moi. Et voilà, et pour moi, et le côté partage, l'échange, c'est quelque chose qui est aussi très important pour moi en tant que maker. De moi, mon avis par rapport à ça. Quelqu'un qui vient, allez, on va dire, je suis un bricoleur. Tu viens chez moi, on boit un coup, tu soupes à la maison. Voilà, je ne vais pas te dire ce que j'ai fait. Mais quand tu es fier de montrer ce que tu as fait, c'est que tu as envie d'avoir son avis, c'est que tu partages justement ce que tu as fait. Donc en toi, c'est que tu es un peu un maker aussi. Et puis après, tu as le maker à grande échelle qui est sur YouTube, où là, il a vraiment envie de montrer ce qu'il sait faire. Et avoir d'avis de beaucoup plus de monde. Et là, après, tu as les makers réseaux sociaux, quoi, YouTube, Instagram et tout ça. Donc, la grande différence entre le bricoleur et le maker, c'est savoir transformer, savoir imaginer, savoir innover. C'est la gymnastique d'esprit sans cesse. Un maker, des fois, il ne dormirait pas parce qu'il n'a pas la solution. Il cherche, il veut cette punaise, cette de solution et il dormira pas correctement tant qu'il n'a pas cette solution là. C'est un truc qui vient, c'est une façon de vivre pour moi. Un maker, c'est vrai ça, c'est quelqu'un qui est curieux. Il veut toujours savoir comment ça fonctionne. Il est prêt à démonter quelque chose qui est neuf pour savoir comment ça fonctionne, et à la limite il s'en fout de ça, de l'objet principal. Il veut savoir le mécanisme qu'il y a derrière et en dessous. C'est la curiosité, c'est très important pour moi, de moi, pour un maker. Il y a aussi, être créatif. Attends, tu m'étonnes, être créatif, c'est la base, c'est inventer. C'est inventer, tout simplement. Comme je t'ai dit, à transformer, à dire, une machine à laver en fumoir pour le jambon, mais il faut avoir l'idée. Il faut avoir, encore une fois, une certaine gymnastique d'esprit pour se dire que c'est possible. Donc voilà. Et après, tu as le partage des connaissances, et ça, c'est génial, parce que moi, je n'ai pas honte, mais là, plein de fois, je demande des questions à la con, à des confrères, pourquoi ceci? Et ils me répondent, parce que ceci. Et inversement, vient vers moi, comment tu as fait ça? Tout simplement en faisant ça. Et c'est ce qui est génial, entre tous les confrères qu'on est, la bande commence tout doucement à s'agrandir. Et je vais te dire, je suis belge, je suis vraiment fier d'être belge, malgré tout ce qui se passe chez nous en Belgique. Ce que j'adore dans notre communauté francophone, c'est justement ça. C'est qu'on emmerde
les Anglais, on emmerde les Américains, on aide notre bande à nous, plus tous ceux qui ne font pas partie de notre bande, mais qui sont francophones, parce qu'ils sont plus solitaires ou ils ont leur groupe à eux. C'est le côté francophone, pour moi, est très très important. Je ne sais pas pourquoi je te parle de ça, parce que je change un peu, je dévie, mais c'est plutôt parce que je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de vidéo, et c'était pour conclure tout ça. Et voilà. Et par contre, je souhaite dire un très 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 grand merci à Jean-Luc de la chaîne Récup Tout Bricolage, parce que l'initiative qui fait d'aller vers les makers et demander, ça te dit de faire une petite vidéo pour te présenter et tout. Mais moi, il y en a pas mal que je connaissais, mais il y en a d'autres grâce à ce style de vidéo-là que je connaissais pas du tout. Mais c'est des mecs, quand j'ai vu ça, je me suis abonné tout de suite sans poser de questions avec la petite cloche, quoi. Donc, un grand, grand merci à toi, Jean-Luc. Plein de belges. Et je te dis à un prochain challenge. Ah, voilà, blablabla. Un futur projet. Pourquoi pas un challenge? Maintenant, je voudrais que tu mettes en commentaire, si vous me regardez, est-ce que pour vous, avoir, on va dire, 370 abonnés, ce serait audacieux de déjà lancer un challenge ou pas? Si vous me dites oui, j'en lance un. Si vous me dites, ouais, c'est, il n'a pas encore assez d'audience, il n'a pas beaucoup de gens qui vont faire que. Je suis tout oui et j'accepte toute réflexion, remarque, critique, positive comme négative. Mais je vous pose la question, est-ce que c'est osé? Est-ce que je le fais ou je ne le fais pas? Ok? Allez, de toute façon, maintenant la vidéo se termine et je vous fais gros belch à tout le monde et je te laisse la place au prochain maker. Allez, ouais, bisous. Ciao, ciao.